Bien le bonsoir YouTube, je vérifie, oui le micro est activé, ah merci OBS, comment ça va, bien le bonsoir, bienvenue sur ce stream, le rendez-vous du mardi, oui on est bien mardi, j'étais persuadé qu'on était mercredi, eh ben non, on n'est pas mercredi, on est mardi, on se retrouve, Starfield évidemment, ce soir on va chiller. On remercie évidemment la modération d'être déjà présente. Ils étaient là avant même que moi je sois là apparemment. Hein. Max Blade, comment ça va mon petit Max? Toi qui es loin dans ta petite chambre d'hôtel là en train de réviser tes petits câblages. Le mec va à une formation, il va se dire ouais je vais me détendre et tout. Ils lui font des trucs de câblage pour qu'il câble. Hein, comme s'il avait besoin de ça notre bon Max. J'espère en tout cas que tu vas bien. Et notre petite Nat, ça va impec et toi, nickel. Bonsoir Max, salut Ika. Ma petite Nat, t'inquiète, tu vas bientôt avoir le planning. Je suis en train de voir avec Yann Ra, je suis en train de voir avec évidemment notre ami Red Games aussi. Et il faut que je vois avec le planning général. Je pense que je serai certainement sur des streams en soirée. Fin d'après-midi jusque dans la nuit. Je pense que ça va être plus ça puisque la journée, je vais être pas mal occupé. Mais de quoi parle-t-il? Du Game Stream Heroes, évidemment, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, du 27 au 30 octobre en direct sur les plateformes YouTube et Twitch. Nous serons à Lyon avec une vingtaine de streameuses et de streamers sur place. Sans oublier évidemment les distanciels qui seront là pour nous soutenir et nous apporter une force supplémentaire avec tous nos partenaires, évidemment. Bon, vous êtes curieux, vous voulez savoir de quoi je parle? GameStreamHeroes.fr, le site officiel du GameStreamHeroes. N'hésitez pas aussi à aller voir le site de l'association Petit Prince et de découvrir également l'article qui a été fait sur le GameStreamHeroes. On leur fait des gros bisous d'ailleurs. Petite mention spéciale, aujourd'hui j'étais au téléphone avec Léa Bonnefou à qui je fais un énorme bisou et plein de belles surprises vous attendent pour cette quatrième édition du Game Stream Heroes. On va se mettre tout de suite, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, hein, sur la scène du jeu. Merci pour le lien du GameStreamHeroes.fr. Youpi, voilà, ça va là, je suis en train d'attendre mon repas. Le faites pas attendre trop longtemps, sinon il va commencer à bouffer la moquette. Bon, allez, je vous préviens ce soir, j'ai la connerie. J'ai la connerie, clairement, hein, puisque... allô, le jeu, merci, bonjour. Le jeu, il est parti. Voilà, j'ai cru qu'il était parti. La petite souris qui se promène. J'ai cru qu'il était parti en vacances. J'ai mon petit café. Vous connaissez le rituel, évidemment. Ah, déjà, on va remettre un petit peu le son du jeu. Ça serait bien hein, d'avoir un petit, voilà, un petit son du jeu. Voilà, vous me ferez comme d'hab votre retour si le ratio micro et son du jeu, c'est bon pour vous. Normalement, ça devrait être bien. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette musique? 9 millième rêve réalisé par Petit Prince. Énorme GG à toute l'association Petit Prince. On peut les féliciter. Vous vous rendez compte, depuis 1987, date de la création de l'association Petit Prince, 9000 rêves ont été réalisés depuis la création de cette association. C'est énorme. Et on est plutôt fiers, je dois bien le reconnaître, de savoir qu'on contribue justement grâce à vous toutes, grâce à vous tous. Oui, derrière votre petit écran, vous, les généreux donateurs qui donnez des euros pour cet événement Game Stream Heroes, eh bien, sachez que vous faites partie de ce maillon de la chaîne qui vient, eh bien, tout simplement jusqu'aux enfants de l'association Petit Prince pour réaliser leurs rêves le temps d'une journée, 24 heures, d'un week-end. Grâce à vous toutes, grâce à vous tous, à votre générosité, chaque année, on réalise les rêves des enfants de l'association Petit Prince. Et c'est incroyable. Vous pourrez voir sur le site du GameStreamHeroes.fr
eh bien, il y a un petit onglet qui vous présente les rêves qui ont été réalisés grâce au GameStream Heroes, grâce à vous toutes et à vous tous, pour vous prouver évidemment que l'argent que vous donnez ne va pas dans les méandres de l'infini, de l'inconnu. Non, au contraire, nous sommes uniquement une passerelle entre vous et l'association Petit Prince directement. Il n'y a pas de transaction, rien du tout. Ça va direct dans les caisses de l'association Petit Prince. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que c'est tout bon pour vous? Je vais faire comme d'habitude, hein, bon, sauf que là, c'est en début de live. Je vais enlever ma petite cam, le temps de prendre mon petit café dans cette petite mug, ce petit mug Tchoupeul. Oui, Tchoupeul, hein, si vous connaissez One Piece, forcément. Hein, moi qui suis un grand fan de One Piece, que j'aime beaucoup, t'es One Piece. Moi, j'aime bien ça, One Piece. Donc voilà, vous aimez, vous connaissez One Piece, vous aimez One Piece, vous, hein, voilà. Donc je suis pas encore bien à jour, hein, j'évite de me faire spoiler. Mais à chaque fois que je me mets sur des réseaux sociaux, je me fais spoiler comme un ouf. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. D'ailleurs, petite info. La boutique du GameStream Heroes vous proposera également cette année, en plus des magnifiques t-shirts éco-responsable, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, parce que oui, vous le savez, les événements gaming comme ça, les marathons ou les LAN, niveau empreinte carbone, c'est pas ouf. Alors, en contrepartie, on vous présentera la nouvelle collection de cette année avec plusieurs t-shirts que vous pourrez retrouver, notamment ceux des fameuses maisons, celle de la maison de la Game School Heroes et des autres maisons, donc Mobeg, Coursouffle, Or et Shooting Star, eh bien, il y aura en plus celui de l'événement GameStream Heroes avec ce petit logo en haut à droite de votre écran. Faites-vous plaisir, les prix seront assez attractifs. Et en plus, on a reçu aujourd'hui une très très bonne nouvelle puisque notre fournisseur Goodyfan offrira, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, écoutez bien ça, 10 euros, 10 euros sur les maillots que vous allez vous offrir. 10 euros, c'est énorme. C'est énorme. Et pareil, hein, sur les mugs seront reversés également une partie. Également, eh bien, sur, je crois que c'est 15 euros le mug, je crois 10 ou 15 euros le mug. Et sur le mug, c'est 5 euros direct. Donc 10 euros sur le t-shirt de reversé à l'association Petit Prince, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, contrairement à l'année dernière, où on avait un peu moins, malheureusement, on était, je crois, à 6 euros par maillot. Eh bien là, c'est 10 euros qui seront reversés dans les caisses de l'association Petit Prince et 5 euros par maillot. C'est ouf. C'est juste ouf. Trop de perfusion de café. Il a pris quoi d'autre, Ika? Oh, bah écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avais envie de vous retrouver. La semaine a commencé tranquillement, mais de façon assez intense. Il faut bien le reconnaître. Et voilà, j'avais hâte de vous retrouver. Alors, par contre, il faut savoir un truc avant de nous lancer dans le jeu. Oui, cette intro est bien trop longue, mais on est ici à la maison, on fait ce qu'on veut. Hein, c'est vrai, hein, les modos, ça va. Voilà. Non, mais dis donc, je bois mon petit café bien chaud. Oh! J'ai bien littéralement de me cramer la bouche. Eh bien, à partir du 23 octobre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il n'y aura plus de live jusqu'au 27. Pourquoi? Parce que bah, je prends mon matos, direction chez mon poteau Max Blade, et après de chez Max Blade, direction Lyon, ouais, j'aurais pu faire comme ça, direction Lyon pour le GameStream Heroes. Donc bah, à partir du 23, il n'y aura plus de live. Donc voilà, enfin, il n'y aura plus de live. Il n'y aura plus de live parce que je prends le matos et je me barre avec. Mais vous inquiétez pas, hein, le 27 direct, hein, on remet le couvert avec le GameStream Heroes. On sera sur place, on sera chaud, patate. J'ai pas encore décidé. Il y a un jeu sûr qui sera dans les Donation Goals. C'est essayer de se faire un petit speedrun à notre hauteur sur Super Castlevania 4. Sachant qu'on l'a fait récemment. C'est plutôt frais, encore dans la tête. Mais voilà. Je ne sais pas encore ce qu'il y aura comme jeu, vous allez le découvrir, mais par contre, très prochainement, je vous ferai découvrir la liste des Donation Goals de cette année de votre humble serviteur. Je sens qu'on va rigoler, je sens qu'on va rigoler, vraiment, voilà. Donc, bon, évidemment, vous le savez, c'est pour la bonne cause, hein. C'est pour
eh bien, vous hyper et vous donner l'envie eh bien, de faire des dons lors de cet événement pour l'association Petit Prince. Évidemment, tous les dons qui sont faits sur les donation goals personnels sont reversés direct hein, et ajoutés à la cagnotte générale. Vous le savez, évidemment. Allez, on fait continuer. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, allez, continuez. Ah bah, let's go! Allez, on y va, là. Hop, hop, hop. Alors, je coupe la petite cam, voilà, le temps de boire mon café et de fumer ma clope tranquille. Voilà, hop, on enlève ça, on enlève ça. On va enlever le chat hein, du jeu, comme ça sera plus propre. Vous avez le chat sur YouTube. Voilà, on est bien. Allez, let's go. Ah, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas joué. Hein. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas joué. Hein. Alors, on va y aller tranquille. On va y aller chill. Pépère. Hein. Voilà, il se brûle maintenant. Bah oui, hein, t'as vu le sens du sacrifice de cet homme? Incroyable. Incroyable. Vraiment. Allez, hop. On se dépêche le jeu, là. Hein. J'espère que cette fois, je vais avoir ma tête sur les épaules. Hein, ça serait bien quand même. Allez, zou. Allez, le jeu, dépêche-toi. On est pressé. Oh là là. Oh là là, on est pressé. On est pressé, on est pressé. J'ai même envie de vous dire que je ferai dans l'espace communautaire de la chaîne un petit sondage qui vous permettra de choisir l'un des jeux que je streamerai lors du Game Stream Heroes. Je vous ferai une petite liste et c'est le jeu qui remportera le plus de votes qui l'emportera. Je laisse la communauté choisir l'un des jeux que je streamerai pendant le Game Stream Heroes. Voilà. C'est cadeau. Bon, le jeu, t'es parti en RTT là ou comment ça se passe? Hein? On va peut-être se manier un peu le fiac là. On a envie de jouer, nous. Ah, voilà. Ça y est, on retrouve notre petite rouquine. Notre petite rouquine préférée, elle est là. Regardez, oh, elle est toute choupie. Elle est toute choupie là. Oh là là, bonjour, je suis une. Oui, bonjour, je suis. Ouh. Alors, ah oui, c'est vrai, on était accompagné de Crocodile Dundee. Alors. Voyons voir. Non, c'est pas ça. C'est quoi déjà? Je sais plus. Je jouais pas à la manette, moi. Si je jouais à la manette, je jouais à la manette. Et ben, je vais rebrancher ma manette tout de suite. Ben oui. Allez, voilà. Tac. Hop. Hop là. Oh là là, c'est branché. Ça y est. Alors. Le moustique là, casse-toi là, va voir si je suis ailleurs, s'il te plaît, hein, j'ai pas envie de me faire becter. Alors, ok, on va reprendre un petit peu les contrôles, ok, ça. C'était ça, je crois, c'était pour la vue. Voilà, alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. On n'est pas trop. Ah ouais, on a notre fameux fusil de la mort qui tue! Hein, trop bien ce fusil, je vous le recommande vivement. Il déglingue tout. Il déglingue tout sur son passage. Alors, qu'est-ce qu'on avait à faire? Mission. Alors, recouvrement intégral. Ouais, on pourrait aller faire ça, ça pourrait être sympa. Éliminer la cible. What the fuck? D'accord. Dysfonctionnement de l'équipement, problème de communication, mesure de défense, bercail en péril, député en service, retour au fourneau, dans l'inconnu, retour sur Vectra. On va se faire une petite mission de shield, hein? Salut Sean, salut, comment ça va? Comment vas-tu? Le plaisir de te recevoir. Allez, on va y aller tranquille, on va aller se promener. Allez, range ton arme, madame. Voilà, tu fais peur à tout le monde. Tu fais flipper littéralement tout le monde. Dans l'inventaire, on était comment? On était comment? Est-ce qu'on avait beaucoup de choses sur nous? Ouais, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ah! On est à 212 sur 145. Au secours. Au secours. Il faut vendre des trucs. Il faut vendre des trucs. Madame. Madame, bonjour. Donnez. Oui, bah on s'en fout, on s'en fout. La meuf, elle est en train de parler, on lui coupe littéralement la parole. C'est quoi le but du jeu? Alors,
J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas vraiment de but. Il y a une trame principale, mais on est sur un jeu Bethesda. Donc imagine Skyrim, mais dans l'espace. C'est-à-dire que tu as des missions, tu vas parler à plein de monde qui vont te donner des choses à faire, que ce soit des petites missions basiques ou des grosses, grosses missions. Et en fait, tu choisis un peu ce que tu as envie de faire et tu te laisses porter au fil de l'aventure, tout simplement. Voilà. Je pense que là-dessus, Max sera d'accord. Mais il y a une trame principale, hein, avec des artefacts et tout ça que tu dois retrouver, et tout ça, tout ça, tout ça. Mais nous, on se laisse porter par le jeu tranquillement, sans se prendre la tête. Oh, hey, madame, s'il te plaît, sois gentille, madame. Alors, qu'est-ce que tu as nous, déjà, on va te vendre nos trucs. Voilà, on va te vendre. Alors, voyons voir les armes. Non, ça, je garde. Ça dégage. Ouais, bah, vas-y, je vais la garder au cas où. L'Urban Eagle, je vais le garder parce qu'il est joli. Ah, il est joli celui-là, mais ouais, allez, je vais le garder parce qu'il est joli. Ça, je. Ouais. Oh, le gun. Oh, le gun de ouf. Il prend quoi comme munition? 40 mm XPL. D'accord. 40 mm XPL. Combinaison, qu'est-ce qu'on a? Ouais, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est pas trop mal. Ouais, ça c'est de la merdouille. Allez, ça dégage. Voilà. Sac. Comment ça, sac? Oui, sac. Tu es un sac. Ah, ça je le garde parce qu'il est trop stylé. Il est trop stylé. Voilà, ça aussi. Ah, celui-là, il pue du cul un peu. Allez, vas-y, ça dégage. Voilà, ça fera des sous, ça fera un truc en moins. Les tenues, on avait ces deux tenues-là qui sont plutôt sympathiques, je vais les garder. Objet de lancer, ça je garde. Les soins, voyons voir. Les soins en général, ça pèse pas trop lourd. On va regarder dans les ressources. Acide aminé, ok, ça pèse rien, ça je garde, ça je garde. Il y a des choses qu'il faudrait que je dépose dans le vaisseau quand même, parce que bon, mine de rien, à force de les accumuler, ça commence à peser un peu. On va se débarrasser de tout ce qui est lourd. Hein. Micro-régulateur, ça, ouais, il faudrait que je le dépose dans le vaisseau. Il faudrait que je le dépose dans le vaisseau, ça. Ok. Qu'est-ce quoi, structure adaptative? Ah oui, c'est pour les bases et tout ça, d'accord. Oui, parce qu'on s'était fait une petite base, hein, souvenez-vous. Hein, ça pèse combien, ça? 1,20? Ouais, bon. J'ai envie de dire, voilà. Et divers, qu'est-ce qu'on a? Ça, je garde. Une boîte à crayons, ça dégage. Oh, lui, il est trop beau. Pourquoi 5? Ah non, c'est sa valeur. D'accord. Ça, je le garde. Ça, je le garde. Il est trop cute. Il est trop cute, clairement. Ika fait les missions Paula comme ça. Gros vaisseau et grosse soute. Nani? La mission Paula. D'accord. Les ressources! Je suis passé pirate légende sur Sea of Thieves tout à l'heure. Félicitations, capitaine! Félicitations à toi! Ça fait tellement plaisir quand on passe légende. C'est un cap après toutes les péripéties que tu traverses pour pouvoir devenir légende. Et encore, je trouve que on devient plus facilement légende maintenant qu'au début quand moi j'ai commencé. Hein. Ça va nettement plus vite. Ça va nettement plus vite. Ok. Alors, on va regarder la mission Paula. Non, ça ne me dérange pas d'attendre. T'inquiète, Paulette. Alors, mission Paula. C'est quoi la mission Paula? Un certain Alban Lopez. C'est pas ça. C'est pas ça. J'ai entendu parler. Non, on s'en fout. C'est pas ça. Sarah m'a demandé d'aller sur Iris. On s'en fout. Argos Extractor. L'affaire de braquage de la Galbanque.
Fantassin. Principal dans l'inconnu. Ouais. Faction. Bah, je crois que je l'ai pas cette mission. Je crois que je l'ai pas cette mission, mon bon. Député en service, d'accord. Alors, député en service, hop là. Ah, Emma Wilcox. Alors, elle est où cette Emma Wilcox? Alors déjà, on va sortir, hein, pour commencer, ce sera pas mal. Hop. Parler à Emma Wilcox. Je crois que tu commences à être député. Député? Député? Un petit député? Le café, moi, tranquille, qui a refroidi un petit peu quand même. Oui, il a refroidi vite fait, hein. Vite fait. Putain, les temps de chargement, au secours. Hein. Allez, le jeu dépêche-toi. Bon, sinon, ça va, vous? Tranquille? La pêche? La forme? Tranquillement? À base de pop-pop-pop? Comment ça s'est passé votre journée? Hein? Bon, Max Blade, bon, je sais comment ça s'est passé ta journée, mais bon. Un peu longue, car suite de mission, mais le vaisseau que j'ai fait moi, j'ai pris la base de celui-là. D'accord. Bah écoute, hein, ça fera un vaisseau de plus dans la flotte, hein, en attendant de pouvoir se construire notre propre vaisseau. Ok. Alors, c'est quand même joli, hein, c'est quand même sympa. Si par où, si par où, si par où. Hop. Ah bah c'est par là-bas, nickel. Range ton arme, tu vas faire peur à tout le monde, voilà. Tu vas faire flipper tout le monde si tu débarques avec une arme dans les mains, hein, clairement. Petit temps de chargement encore. Oh là là, c'est horrible. Titi titi li 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 li. Ah, on va prendre le métro. Enfin, le tram, quoi. Voiture de transit. Alors, port spatial. Let's go. Ah, on a oublié Crocodile Dundee. Il a pas eu le temps de monter. Dis-toi que j'ai vendu celui de Mantis tellement l'autre est bon. Ah ouais? Je reviens, je vais me faire du riz. Bah, bon appétit à toi. Excellent choix, le riz, c'est très très bon. Alors. J'imagine que ça doit être par là. Allez, on va y aller. Ah d'accord. Bah écoute, ça fait plaisir hein, si elle aime bien jeter des trucs dans les temps, j'ai envie de te dire. Voilà, hein, elle fait ce qu'elle veut la dame. Le capitaine Jack Sparrow vous dit à tout de suite. D'ailleurs, si t'as fait les quêtes avec Jack Sparrow, elles sont vraiment très très sympas. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hop là, je prends un petit raccourci. Oh. C'est quoi le délire? C'est que. Mais ça, c'est notre vaisseau, ça. C'est notre vaisseau, ça. Ah non, ça, c'est le New Atlantis. Ah, il y a notre copain qui est là, là. Oh, il y a notre copain. Comment ça va, Vasco de Gama? Mais t'es fou de moi? Bah, encore heureux que j'ai survécu à mon cycle de sommeil. Non, mais sans déconner. Toc, toc. Allez, on monte à bord. Incroyable les quêtes de Jack Sparrow. Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Bah, je les ai pas toutes faites malheureusement, mais. Oh, ça me code là. Eh oh. Enfin, ça me co. Alors. Mais t'es qui toi?
Mais t'es qui, toi? Un agriculteur. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, c'est quoi ce squat là? Oh, vous pouvez vous. Barrez-vous! Allô? Je. Ça vous dérange pas? Je voudrais passer, s'il vous plaît. Laissez-moi passer! Voilà. Non, mais. Ok. Allez. Allez, on décolle. Initiation du décollage, bouclier désactivé. On y va. Attends, on commence à avoir un espèce de squattage là de notre vaisseau là. C'est infâme. C'est infâme. Ils sont incrustés là. Je me retrouve avec un équipage. Il y a une gamine, un agriculteur, Crocodile Dundee et la petite blonde de service. Ouais, clairement, il y a une sacrée vue. C'est vrai. C'est vrai. Allez, je remets la cam. Hop là. Tac, tac et tac. Alors. Oula, ah oui, c'est vrai, c'est Cheyenne, machin. On peut pas voir. Voilà la carte. La loge, l'avant-poste de mineur. Ok, c'est quoi ça? Vaisseau, machin, hein, Alpha du Centaure, on s'en fout. Alors, c'est par où? Ah, c'est. D'accord, il faut qu'on aille par là. D'accord. Est-ce que je peux mettre le cap directement? Oui, je peux mettre le cap directement. Allez. Direction Cheyenne. Zébardi! Let's go! En plus, en ce moment, je me refais tous les Star Trek. Je me refais toutes les séries. Ok. Oui, bon, bah ça va. On n'a aucune contrebande, on est des gens bien, nous. Aquila City. D'accord. Voilà, j'imagine que de toute façon c'est là qu'on doit atterrir. Hein. Voilà, je réactive quand même mes boucliers, on sait jamais. Hop, tac, moteur. Ok. Allez. Je vais quand même checker hein, si c'est bien. Carte stellaire. Alors. D'accord, donc nous on va là. Hein. Voilà, c'est bien ça. Allez. Procédure d'atterrissage en cours. Lupin, saison 3 pour moi. Sacré Lupin. Avec Omar Sy, si je dis pas de conneries. Je suis pas trop série française, je dois le reconnaître. Hein. C'est pas trop ma came. J'accroche pas de ouf. Je suis plus animé, manga, série SF, série horrifique aussi. J'avoue. L'atterrissage est long, hein, j'aurais pas dire. Enfin, dans notre vaisseau, il y a du monde, hein. Il y a Vasco, il y a Crocodile Dundee, il y a la blonde de service, il y a une drôlesse et il y a en plus un agriculteur.
J'ai envie de te dire que l'agriculteur, il va finir dans ma station orbitale et il va aller chercher des ressources si ça continue. Je pense, hein. Je sais pas si on peut le faire, hein, mais bon, j'imagine que oui. Les tourelles des vaisseaux sont moins précises que les armes contrôlées par les pilotes. C'est toujours bon à savoir. Welcome to the Aquila City. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est un vaisseau qui décolle. Oh, le vaisseau il décolle. Ok, bon. De toute façon, j'imagine qu'il faut qu'on aille par là-bas. Bon, on va aller voir ça, hein. Ah, ça fait très drapeau communiste hein, quand même. Hein. Je voudrais pas dire, mais. Ship service. Attends, l'autre il m'accompagne ou pas? Oui, Robert là. Allez. Ah, c'est quand même assez stylé, hein, il faut le reconnaître. Hein. Oui, bon, bah ça va. Quoi, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, Tarpampion? Oui, je préfère. Hein. Tension. Hein. Tension. Ne me force pas à te botter les fesses. Oh, le petit bar. Itching Post. C'est plutôt stylé quand même. Hein. De nuit et tout, c'est plutôt sympa. Hein. C'est plutôt sympa en fait. Hein. On était venu ici, rappelez-vous, hein, on avait stoppé un braquage dans cette banque. Dans la Galle Banque. Et donc on va aller voir la petite dame qui est là, qui apparemment a une ou plusieurs missions à nous proposer, qui pourrait donc nous rapporter un vaisseau, d'après ce que nous a dit Max. Allez, le rocher. Tu te veux le rocher pour le caillou? Allez, dépêche-toi le jeu. Faire un bon petit nettoyage du PC aussi avant le GSH, là, ça va être, ça serait bien ça. Ça serait bien un bon petit nettoyage là, histoire de le rendre tout propre. Ok. Oh putain, j'avais oublié. Alors. Ça fait très. J'aime bien le style, hein. Moi j'y habiterais bien là-dedans. Ça me correspondrait tout à fait. Le style bois, pierre et métal. Bon, par contre, les ornements osseux, là, ça dégage, hein. Putain, mais c'est quoi cette bestiole, là? Vous avez vu la tête du truc, là, au-dessus du bar, là? C'est pas une mythe, hein. Je suis une mythe en pull vert. Celui qui a la ref, il est balèze. Alors? Bah, je sais pas, on va voir ça, hein. Ah, il y a toujours ce problème de synchronisation linguale. Alors, je veux rejoindre la Pola. C'est une décision importante. Vu le pétrin dont je l'ai sorti, ce serait pas plus simple de me donner directement son boulot. Comment je fais pour candidater? Faut remplir un formulaire ou quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais essayer ça pour voir. Oui, bon, bah ça va. Ouais, hors de question de griller ta place, surtout. Allez. On va devenir un ranger. Salut, mon petit Eden. Salut à tous. Bien joué pour la ref, Max. Bien joué.
D'accord, donc là on va avoir en gros une mission. D'accord, je ferai une de vos missions. Préparez-vous à être impressionné. Je n'ai pas déjà fait mes preuves à la Galbanque. On pourrait faire l'impasse sur l'évaluation. Bon, allez, vas-y, on va lui dire qu'on va faire sa mission. Allez, accomplissez une mission pour les Rangers de Liber Astra. On va être Rangers, les enfants. Alors. Oh, calme-toi, chérie, calme-toi, calme-toi. Je ne suis pas une femme facile, hein, attention. Tableau des missions de la Pola. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Info de la mission, sauver l'otage de Karine Vessis, oui. Tuer la cible hors la loi sur. Hein, tuer la cible. Sauver l'otage. Oh, c'est chiant sauver un otage, hein. C'est chiant. Allez, on va aller déglinguer une cible. Oui, j'accepte la mission. Voilà. Allez. Bon, tuer la cible. On va dans mission. Mission, tuer la cible. Donc voilà. Éliminer la cible. Capitaine hors la loi. À l'endroit suivant. Ok, alors, la traque sans relâche, les contrebandiers les plus dangereux, ils ont remonté la piste d'un capitaine particulièrement dangereux, à moi de l'éliminer. Ok. Allez. T'inquiète, paupiette, je suis la fille de Walker, Texas Ranger. Allez, je suis la fille de Chuck Norris. Avec la petite musique qui va bien aussi, hein. Bon, par contre, ce qui est chiant, c'est que j'ai l'équivalent d'une famille à bord. Donc, bon. Si on meurt, ça va mal le mettre. Hein. Ça va pas être bien. Il va y avoir des cadavres hein, qui flotteront dans l'espace. Bon, ça va sinon, vous, tranquille? Ouais. Une mythe en pullover. J'adore quand il est comme ça, là. Les mains contre le mur. Je suis une mythe en pullover. Tellement cool. Alors. Wow, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Alors. J'imagine qu'il va falloir remonter dans notre vaisseau. Allez, on trace. On n'a pas le temps, on court. Puisque de toute façon, on est un peu trop lourd hein, pour se déplacer. Je vais en profiter aussi pour vider mes poches dans mon vaisseau là. Parce que ma pauvre petite routine là, elle a les poches un peu pleines quand même. Oui, je sais, c'est parce que je suis fatigué que ça fait ça, voilà. Tranquille, voilà. Respirez, respirez. Corben Dallas, non, je suis une mythe en pullover. C'est Big Green. Tellement culte le cinquième élément. Je pense avoir en tête toutes les répliques. Comme j'ai dit, je suis pas trop film français, etc. Mais bon, là, quand même, Luc Besson, quoi. C'était la grande époque de Luc Besson. Et c'était aussi l'époque où Mila Jovovich ne me sortait pas par les yeux. Parce que là, clairement, avec les Resident Evil. Voilà, puis en plus les Resident Evil ils sont nuls à chier. Ouais. D'accord, ok, pied bouche. Même Vasco ne me respecte pas à bord de mon propre vaisseau. Voilà, ça c'est fait. Hein, j'ai envie de vous dire. Hein? Avez-vous besoin de moi? Non, allez, salut, barre-toi. D'accord. Ok. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Est-ce qu'il y a des trucs déjà dans lesquels où je peux vider mes popoches? Ça serait bien, parce que j'ai les popoches un peu pleines. Là-dedans, il y a quoi? Ouais, là-dedans, il y a déjà pas mal de merde. Ah, peut-être en haut. Peut-être là-haut. Casse-toi, Crocodile Dundee, là. Allez. Titi, 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 titi. Nanana. Nanana. Alors, voyons voir.
Ouais, c'est vrai qu'il y a un sacré bordel là-dedans quand même. Alors, non, je veux pas prendre, je veux transférer. Caisse de stockage. Inventaire. Ressources. Voilà. Oh, sérieux, la capacité maximum est déjà. Oh, l'angoisse. Ça, c'est les armes, les machins. Y a pas un truc vide là où je peux vider mes poches. Ce serait gentil, ça. Ce serait gentil. Où sont passées mes armes? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Elles sont passées où toutes mes armes? Alors, toi je garde, toi je garde. Hop, hop, hop. Allez, hop, voilà. C'est quand même étrange, ça. C'est quand même étrange. Ouah, le jeu, il a du mal là ce soir là. Ouh lolo. Il a du mal, hein, pépère. Ah, je suis dégoûté. Les espaces de stockage, c'est. Ça manque cruellement. Hein. Vraiment. Ça manque cruellement dans ce vaisseau. Ah, puis j'espère qu'on aura une possibilité de pouvoir faire les transferts de ce qu'on a d'une autre façon. Parce que bon. On n'a pas énormément, énormément de stockage. Hein. C'est même un peu frustrant, je trouve. Calme-toi, Sarah, calme-toi. Calme-toi. Moi aussi, je t'aime bien. Hein, ça, là, c'est pas un truc de stockage? Non. Est-ce que je peux mettre des trucs dedans? Ah. Est-ce que je peux foutre mon bordel dedans, moi? Au secours. Eh, remarque, je pourrais les donner à Vasco. Je suis con, moi aussi. Je pourrais dire, hé, Vasco, tas de ferraille, viens ici. Attends, attends, attends. Oh. Bah, j'ai cru que c'est mon coffre qui me parlait. Normal. Normal. Alors, hop, hop. Inventaire. Est-ce que je peux mettre un autre truc dedans? Ça, par exemple. J'ai envie de chialer. Oh là là, le jeu il rame là ce soir là. J'aime pas ça moi. Moi j'aime pas quand ça rame, surtout quand on n'est pas dans l'eau. Ça n'a aucun sens. Il y a trop de monde dans ce vaisseau, je trouve. Je viens de tilter, j'ai dit une connerie. Je vais répliquer, c'est. Quoi, 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 quoi? Corben Dallas. Non, je suis limite en pilote. Alors, c'est quoi ta connerie? Qu'est-ce que t'as dit comme connerie encore? Hein? Allez, on décolle. Initialisation du lancement, décollage. C'est parti. En avant. Allez, donc, on doit trouver une cible et lui faire la fesse. J'espère qu'elle va être sympa quand même, la mission. Allez, encore un petit temps de chargement. J'ai le temps de boire mon petit café tranquille, hein, comme d'hab. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez être classé dans les catégories humain, négatif? Non, je suis une mythe en pilote vert. Effectivement, c'est la réplique exacte. Alors, voyons voir où est notre mission. Ça a l'air d'être ça. Allez, let's go. Alors, on est où nous? On est où nous? On est où? Ah, on est où? Ah, on est là, d'accord. Donc, si je veux aller là. Oh putain. Oh putain.
Il faut que je fasse un détour de what milliard kilomètres là. Alors il faut que j'aille sur Olympus. De Olympus après, est-ce que je peux pas aller directement ici? Est-ce que je peux mettre le cap ici? Oui, vu que je l'ai déjà fait, je peux. Allez! Procédure de lancement. On va gagner un petit peu de temps. Je me disais, il y a un truc qui me plaît pas dans ce que j'ai dit au début. Lol, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. L'étoile de Barnard. Barnard Stars. Ok, ensuite. On regarde le plan. Hop, voilà. Hop, hop. Oh, gros soleil. Donc, notre objectif est par là. Voilà. Ok. Donc, nous sommes ici. Donc, tac, tac et tac. Allez, on va directement là. On met le cap, on saute. Let's go! Par contre, il va falloir que je pense quand même à réparer à l'occasion mon vaisseau. Parce que je vois que la coque, c'est pas une dinguerie. L'étoile de Barnard le bâtard. Albatar. Rien à voir avec Albator, son cousin. Ok. Alors, on reprend le schéma. Voilà, tac, on sort. Voilà. Et donc, notre objectif est là. Allez, je veux aller là. Let's go, on saute. S'il sait mieux que moi, eh ben on saura pas la suite. Voilà, désolé. Ok, on réduit les gaz. Encore une histoire de gaz. Je m'en fous. Voilà. Je suis pas là pour ça à la base, donc hein, tu me laisses tranquille. Alors, voyons voir. Si tu petite planète, tu te fous de moi, il n'y a rien dessus. Mais il n'y a rien là-dessus, madame. Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est cette histoire là. Voilà, c'est parce qu'on n'était pas sur le bon truc. Allez, on saute direct, on n'a pas le temps. Hop! Attention, il y a un gros caillou devant quand même. Hein. On va peut-être pas déconner non plus. Hein. Allez hop! Gravity jump! Let's go! Piou! Wow. Ok, mamie. Voilà, c'est mamie. Alors, voyons voir, ça doit être ça notre mission. Oui, c'est ça. Allez. Laboratoire abandonné. Alors, éliminer la cible. Oui, c'est ça. Allez, laboratoire abandonné. Atterrir. Let's go. Encore un laboratoire abandonné. Ça va être encore plein de vilains, ça. Je demande si je ferais pas mieux d'emmener Vasco avec moi. Allez, on se pose. Tout c'est dans le verre, hein, vraiment. Ok, allez, on se pose avec notre petit vaisseau. Je pense qu'il va falloir nous équiper d'une combinaison. Ce qu'on va faire tout de suite, on va mettre la combinaison de combat, hein. Rien à péter.
Qu'est-ce que les mimi? Les mimi comme tout, notre. Calme-toi, tu as raison de me vouvoyer, tu as raison. Sinon, je te jette par-dessus le bord. Alors, combinaison. Allez, on va prendre la combinaison de combat. Voilà. Et on va prendre Vasco avec nous. On va prendre Vasco. Tu te bouges, sinon je te mets un coup de fusil à pompe. Une espèce de sale môme là, non mais dis donc! Allez, on ouvre la porte. Toi, tu restes ici. Voilà, bah c'est bah voilà. Voilà, reste là. Allez, Vasco, viens avec moi. Alors, froid ambiant extrême, conditions planétaires. Oui, calme-toi, oui, effectivement, oui. Alors, déjà. Mais c'est gentil, mon petit Vasco, c'est gentil. Tu es un gentil bonhomme, toi. Qui gentil, tout plein. Alors, putain, mais qu'est-ce que. Ah, c'est ce que Vasco, il trimballe déjà? D'accord. Vasco, en fait, c'est ma poubelle. Re, j'ai ma harissa à l'ail. J'y mets pas de vie sans piment. Ah, bah oui, les piments, c'est la vie. Je crois que Vasco est une poubelle, littéralement. J'ai honte. J'ai honte. Alors, bah Vasco, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça. Voilà, tu vas prendre le lubrifiant, Vasco. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Calmez-vous dans le chat, j'ai rien dit. Calmez-vous, calmez-vous. Voilà, ça. Voilà. Les notes, voilà, tu vas prendre les notes aussi, tiens, tant qu'on y est. Et puis voilà. Allez. Non, je voudrais que tu viennes avec moi. Tu viens pas avec moi? J'aimerais en savoir plus sur ce qui se plaît dans la vie. Comment tu. Hein, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Oui, on s'en fout. Au revoir. D'accord. Non, mais moi, je voudrais que tu viennes avec moi, en fait, Vasco. Je sais plus comment on fait. Un vaisseau, mission, inventaire, compétences. Est-ce qu'on a des points de compétences? Non, on n'a pas de points de compétences. Santé, statut, coq. Je me rappelle plus comment on fait pour lui demander de venir avec nous. Au pire, vas-y. Ok, bon, bah vas-y, t'as l'air chaud. T'as l'air chaud, patate. Je te préviens, je t'ai filé une arme, t'as pas intérêt à faire de la merde. Voilà, j'ai quoi dans les mains, moi? C'est bon, j'ai mon fusil de la mort qui tue, là. Ok. Ok. Bon, Vasco, monte la garde. Oui, voilà. Allez. Alors, ça a pas l'air ouf, hein, quand même, cette. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qu'est-ce que c'est que ça? Du platine! D'accord, donc nous on va là, ok. Ok. De l'O2 et du nickel. Pourquoi pas? Alors c'est bizarre, on dirait vraiment que c'est une planète recouverte de sable ou de neige. Fais voir la gravité. Ah oui, la gravité, elle est complètement dingue. D'accord. Ok. Tu pètes un peu fort dans ta combi, tu t'envoles. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, vous le savez, hein, on analyse pas mal de choses aussi.
C'est quoi ce truc là? Hein? Qu'est-ce que c'est? Quoi c'est ça? Du nickel, d'accord. Nickel? Ouais, je sais. J'ai osé faire ce. Oui, j'ai osé. Ah, Famso! Notre ami Famso! Bien le bonsoir! Comment ça va depuis tout à l'heure? Alors, comment vous allez aujourd'hui? Bah, ça va depuis tout à l'heure. J'ai pu jouer à Phasmo, du coup, je me suis fait détruire par un. Mon roi! Mon pauvre! Mon pauvre! Alors, t'as vu, en solo, c'est pas la même, hein. C'est tout de suite, ça met un peu la pression quand même, hein. Allez, là on a de la platine. En tout cas, comme d'habitude, sois le bienvenu. Vous êtes toutes et tous, vous le savez ici, les bienvenus. Vous êtes comme à la maison. Alors par contre, on va faire gaffe parce que on est censé donc arriver sur une base abandonnée. Mais vous l'aurez compris, elle n'est pas abandonnée. Alors, par contre. Voilà, je vais passer en mode. J'espère que l'autre il va pas me faire une dinguerie. Genre qu'il va faire le tour et qu'il va se faire griller connement. Ok, allez, on y va tranquille. Allez, l'action est partie, les enfants. Tu m'as pas vu. Ce que je lui ai mis. Bah, il faut ce qu'il faut, il faut ce qu'il faut. Où est-ce que t'es caché, toi? Excuse-moi. Hein? Où est-ce que t'es? Voilà, t'es là. Faut ce qu'il... Mec, vraiment, tu... Attends. Parce que là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que tu fais avec tes petits points, là? Hein? Qu'est-ce que tu fais avec tes petits points? Oui, arrêter un braquage de banque, oui, bah, c'est sûr que toi, tu... Non, non, il va falloir que tu prennes ton flingue, vraiment. Donc, tac, tac. Il est où ton flingue? Où est ton flingue? Non, mais c'est une blague. Oh, il me fatigue. Voilà. Voilà. Voilà, normalement, tu es équipé d'un Equinox maintenant. Je vais te frapper. Je vais te frapper. Oui, bla 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 bla. D'accord, j'ai dû le remettre. Voilà, alors, donc du coup, échanger. D'accord, hein. Échanger. Voilà. Ensuite, on se met sur l'inventaire de Sam. Voilà. Et on fait équiper. Tu vois, c'est bien. T'es un bon garçon. T'es un bon garçon. Voilà. T'es un bon garçon. C'est pas clairement. Hein, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, celui-là. Hein. Qu'est-ce que... Quel talent! Oh, merci ma petite Eden, merci. Merci beaucoup. Le vétéran machin, c'est son gun. Ah bah écoute, eh bah, il n'aura pas le vétéran machin. Le vétéran machin, je sais pas ce qu'il en a fait, s'il se l'est mis dans le berge ou... Ok, donc la base est là. Par contre, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelques bidouilles à observer. Alors, on va y aller tranquille. Jusque-là, je vois pas forcément d'ennemis. J'en vois pas non plus sur le toit. Doucement, 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 doucement. Doucement, ma gamin, doucement. On va pas te faire du mal. Ok, déjà.
Il n'y a pas de tireur embusqué, il n'y a pas de mec sur les toits. C'est un bon signe. Par contre, je me demande ce que c'est que ces trucs-là. Ok, on est bien sur le lieu. D'accord, il y a des trucs à étudier. Ok. On va y aller de chill, hein. On y va tranquille, on s'affole pas la nouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors on se baisse, hein. C'est quoi ça? Prototype d'équipement. Vas-y, je prends. S'il te plaît, juste tais-toi. Tais-toi. Je ne suis pas une faible jeune femme, je suis une guerrière. Hein, alors, lâche-moi les pompes. Elle est où l'entrée? Alors, il y a un truc par là. On y va de chill. Hein. Hop, 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 hop. Il m'a fait peur, cette andouille, là. Pour l'instant, on est encore caché. On va se mettre par contre en vue FPS. Voilà, je préfère. Voilà, on recharge. Alors, l'arme que je possède est très très efficace, vraiment au corps à corps. Sur le radar, pour l'instant, il n'y a pas d'ennemi qui apparaît. On y va tranquille. On y va tranquille. Je pense qu'il doit y en avoir un au moins à l'entrée. Ouais. T'auras pas le temps de dégainer, hein, c'est moi qui te le dis. Attends, tu me vois pas d'ici? T'es sérieux? T'es con à ce point? Ah ouais. Oh le con! Jean-Louis? Jean-Guy? Mais qu'est-ce qui branle? Oh merde! Vas-y, sors. Vas-y, sors, juste pour rigoler, sors. Ah non, mais lui, il me fatigue là. On est d'accord, je lui ai équipé une arme. White nigga, hi. Hello, dude. On est d'accord que je lui ai équipé une arme. C'est pas bien malin de me mettre sur mon passage. Mec, on te donne une arme, tu la gardes même pas. Il y a un moment, il faut m'expliquer quoi. Sur qui tu tires, toi? Sur qui tu tires, muchacho? Il est quelque part par là. Monsieur, reviens. Je crois que monsieur... Oh, il redescend, c'est bon. Hop là. Oh. Oui, oh, il rebondit. Oh. C'est un danseur. Voilà. Faut pas gâcher. Faut pas gâcher, nous dit-il. J'ai envie de le frapper déjà là. Ok. Alors. Ah, non, on s'en fout. Ok, c'est quoi ça? Pourquoi t'as acheté ton Equinox, espèce de... Oh là, j'ai déjà envie de le cogner, lui. Mais non, mais ne t'approche pas de moi alors que j'ai une arme de psychopathe.
Il dit, mais il est vraiment très très con, lui. Ah, par contre, j'ai pas énormément de cartouches pour mon arme. Ça, par contre, ça fait chier. Alors que tout à l'heure, il me semblait quand même que j'en avais plus que ça. C'est quand même étrange. Alors, on fait attention. Ok. Ouais, c'est des petites armes, c'est de la merdouille quand même, hein. C'est de la merdouille ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. 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 On ramasse tout ce qu'on peut, hein. C'est là. C'est réaliste comme jeu. Il l'a abandonné. Non mais est-ce que tu as vu? Philippe, je sais où tu te caches. C'est exactement ça. C'est exact. J'ai à peine frôlé ma gâchette. Elle est hyper sensible, hein, la gâchette de de ma manette. Excuse-moi, Billy Bob. Oui, bah oui. Je t'en pose des questions. Quoi, c'est ici? Ouais. L'établi, on s'en fout. C'est quoi ça? C'est une pièce? Non, c'est juste parce que c'est l'établi. D'accord. Ok. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait aussi. C'est quoi ça? Qu'est-ce ici? Une foreuse. Bah oui, bah oui, bien sûr. J'ai que ça à foutre. De me trimballer avec une foreuse. Mais oui, c'est bien connu, évidemment. C'est réaliste comme jeu. Elle est revenue, hein. Il n'y a pas de balle adaptée à l'arme que tu lui as filée. Ouais, mais en fait, ils n'ont pas spécialement, normalement, besoin de balles. Normalement, quand tu leur files une arme, tu n'es pas obligé de leur filer des munitions, il me semble. Tu crois que c'est pour ça que... Toi, tu me fatigues. Toi, tu me fatigues. Vraiment. Allez, on explore, mais tranquille, hein. Hop, ça, je prends. Du lubrifiant. Non, Max. Non. Je te vois arriver avec tes gros sabots. Sinon. Okay. On y va tranquille, hein. On y va tranquille. Une petite save quand même. Voilà, hein, on va faire une petite save. Tac. Sauvegarde rapide. Voilà. On a ouvert une porte. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Un mystère mystérieux. Bon, il faudra, note pour plus tard, il faudra absolument que j'achète des munitions pour mon arme. Parce que sinon... What the fuck? Est-ce qu'il y a des choses à analyser ici? D'accord, on a un objectif, ça doit être le mec qu'on doit abattre certainement. Mais où est-ce qu'on a foutu les pieds là? Alors, on y va tranquille, hein. On y va tranquille. C'est le grand méchant loup. Attends, c'est qu'il y a un mec là? Non, il n'y a personne. Il doit y avoir des gens pas loin. Des fioles, on s'en fout des fioles.
Je vais pas les molester à grands coups de fiole jusqu'à ce que mort s'en suive quand même. Aération. D'accord, donc ça veut dire qu'on va pouvoir passer par là aussi. Mais il y a quoi ici? Pour l'instant, on est caché. Très très mauvaise idée de se retrouver à côté de ça, hein, clairement. Ah! Toi, t'es très beaucoup mort, toi. Antibiotiques, du lait. Bah non. Non, ils en ont plus trop besoin. Explique-moi, monsieur, comment ça se fait que t'aies enlevé ta tenue? C'est Crocodile Dundee pour de vrai, hein. Vraiment. Vraiment. Ah, il y a beaucoup de monde là-dedans. Cette arme, elle est juste incroyable. Quoi? Ah. Bah ferme les yeux. Elle est incroyable, cette arme. Je m'en séparerai jamais. Ok, donc là déjà... On a fait le ménage. Ok, il y en a encore. Je sais pas trop par où ils vont arriver. Ouais, on a un coupe-boulon et après c'est fermé. C'est quoi ça? C'est une porte là? Mais casse-toi, Sam. On entend des gens parler. J'imagine que ça va être une suite de... Attendez, on va essayer de descendre discrètement. Hein. Hop, voilà. Je pense que ça va être une suite de couloirs. Mais je t'en pose des questions, moi. Objet rare acquis. Cool, merci. Ok. On y va chill, on y va tranquille. Bon, par contre, il y a un moment, je suis un peu blasé quand même. Il va falloir que je change d'arme. Je vais pas avoir le choix. Ça m'emmerde un peu, mais bon. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme arme sympa? 13, c'est de la merde. Une hache, je m'en fous littéralement. Ça dégage. Bon, bah pour ça. Hein. J'ai une cartouche. Ma vie, c'est vraiment de la merde. Quoi? Je sais pas où ils sont, c'est ça qui est ouf. Ah, il y a un autre chat. Ouais, je suis désolé, je suis un vrai gamin, mais j'aime les piluches. Et tous les cadavres là qu'on a fait sauter, ils sont barrés où? Ils sont barrés où? Parce que bon, l'arme que j'ai dans les mains, c'est pas un fusil à pompe, hein. Voilà. Alors, bah voilà, il a des idées bizarres aussi. Je suis contaminé, lol.
C'est grave, docteur. Bienvenue parmi nous. Bienvenue dans le cercle de la folie, Nat. Mais je pensais que tu le savais, Nat. Enfin, voyons. Regarde, Eden, elle le vit bien, elle aussi. Oui, c'est une source de stress supplémentaire, quelque chose ne va pas. Ils sont où tous les cadavres là? Crédit, batterie, enduit. Putain, mais c'est quoi ça? Un cutter, qu'est-ce que je fous avec un cutter? Je vais pas déballer des cartons quand même. C'est quoi ça? Rapport structurel. Je lis après. Je lis les rapports après. C'est une porte, ça? Ah, je crois qu'ils sont de l'autre côté. Donc, il doit y avoir forcément y avoir un passage, un autre passage quelque part. Ah, bah, ils sont là, les copains. Je sais pas. Ne me pose pas. Oh, mais il me fait peur à chaque fois, lui, avec sa tête, là. Ça s'ouvre, ça? Non. C'est quoi, ça? Ah, oh, c'est une fois. Quoi? Que? On va regarder aussi quand même. Grenade chap. Oh là là là. J'en frémis d'avance. Ça, on équipe. Hop. On va mettre ça ici. Fait chier. Equinox 13. 14. C'est pas ouf. Hein. Franchement, c'est pas ouf. Mais de toute façon, on va pas avoir le choix. Hein. On va être obligé de s'en servir aussi. On n'a pas full munitions pour notre arme. Attends une seconde. Toi là, espèce de. J'allais dire une connerie. Pardon. J'allais dire une énorme connerie. Aussi avec tous ces lives que je suis exemple celui du jeudi soir lol mais c'est que je m'en marre aussi mais il n'y a pas de problème ma petite Nat tu sais qu'ici tout est à la casa comme tout le monde alors voyons voir si bah ouais si t'as des munitions qui vont dans mon arme je les prends du 7 machin cartouche Je suis pas sûr que ce soit celle-là. Et moi en munitions, là, j'ai quoi moi? Eh ben, ah bah non, mais j'en ai zéro. Je suis dégoûté. Dégoûté. Ah, les boules, les bubbles. Oui, bon, bah ça va, les tantôt aussi. Bon, alors là, par contre, voyons voir. Ok, donc il doit être par là. Donc ça, en gros, ce que j'ai dans les mains, c'est un lance-patate. Hein. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un lance-patate, c'est un lance-grenade. Non. Vous avez entendu quelque chose? Moi, j'ai rien entendu. Des crédits. Croque à gâteau. Ah, c'est de la bouffe. Jauge réactive. Eh, on va y aller au pistolet à graffeuse. Chiche. On leur roule dessus avec un pistolet à graffe. Mais ne te mets pas devant la porte, espèce de. Mais ne reste pas devant, espèce de biquette. Oh, mais qu'est-ce qu'il est con. Oh là là là. Ah, il est à bouffer du foin lui hein. Non c'est pas ce que je voulais faire
C'est pas ce que je voulais faire. Je me rappelle plus. Ah mais oui, la croix directionnelle, Ika, enfin, voyons, voyons, Ika, enfin. Bon, bah c'est pas comme si on n'avait pas de munitions, là, hein? Ok. T'as quoi, toi? Un couteau? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un couteau? Je suis pas là pour faire la cuisine. Ok. Il y a des soins, là. Microscope. Bah oui, je vais me trimballer avec un microscope. Je vais les microscoper jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est quoi ça? Liquide de refroidissement isotopique. Ouais, je suis une poubelle ambulante, hein, je ramasse tout. Hein. Quoi? D'accord. Une fiole. Mais qu'est-ce que j'en ai à péter ta fiole? Lui, on a ramassé, oui, c'est bon. Allez, on y va tranquille, on y va de chilou. Ouais, d'accord, il y a une porte là, donc ils vont tous sortir de là. Qu'est-ce que c'est ça? Software. Système de communication, machin. Ok. Je lirai après. Voilà, hop. Allez, on y va. Il me reste quelques grenades. D'accord, ils doivent être à l'intérieur là-bas. Oh putain! Tiens, cadeau! Mais te mets pas devant! Mais qu'il est con! Oh, c'est pas une flèche lui non plus, hein. C'est pour ça que les IA, elles sont. Ouais, c'est pas. Ça s'ouvre pas, ça s'ouvre pas non plus. Ok. Le grand serpent. Si tu le dis, on a des cartouches de fusil à pompe. Ok. J'aime bien le truc qui me dit, c'est une porte. Ceci est une porte. Ouh, les grosses caisses-caisses. Structure adaptative. Ok, on doit faire maintenant à peu près l'équivalent en poids d'un semi-remorque. Bah, on prend pas trop la fuite, hein, on prend notre temps surtout. Hein. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Taramis moléculaire, composant manufacturé rare. Hop, là, je prends. Quand je vois rare, je prends. Ok. Mais d'où tu sors toi? Mais d'où il est arrivé lui? Il est arrivé de là-haut? Je crois qu'il est arrivé de là-haut. Oh, il fait des trucs de ouf, hein. Tu fais des trucs de ouf, Squeeze! Toi, t'avais quoi sur toi? Ok. Y a quoi là? Des crédits, ok. D'accord, donc je pense qu'on peut. Ah, il m'a fait peur. Tiens, cadeau. Ah bah, on te l'a bien payé, hein. On te l'a
l'a bien payé, madame. Hein. Alors, je pense qu'il est passé par là, ouais. On va aller voir quand même de l'autre côté. Oh, je crois que j'ai vu ce qui m'intéressait. D'accord, donc il y en a par là aussi. Bon, on va aller voir par là vite fait. Allez, on y va tranquille. Coup de boulon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse un coup de boulon? Il y a du monde ici ou pas? J'ai pas l'impression. Par contre, peut-être que ça fait le tour de la pièce. Je prendrai le temps de checker l'installation. Allez, on va aller voir par là. D'accord, ça nous fait descendre ici. Ok, on y reviendra après. On y reviendra après. On va aller voir de l'autre côté directement où se. D'accord! Bah écoute, si ça peut te faire plaisir, mon lapin. Hein, Ah! D'accord, je peux pas sauter. Aïe! Coucou! Niveau discrétion, c'est pas ouf hein, quand même. Hein. On a vu mieux. Donc je pense qu'il faut passer par en bas certainement pour faire tout le tour. Parce que bon là ils sont derrière une vitre et ils peuvent pas nous tirer dessus. Ouais, méfie-toi de ce que tu dis quand même. Hein. J'ai envie de te tuer tellement ta blague était pourrie. Oh regarde Max, ça c'est pour toi ça. Vous me faites palpiter le palpitant. Je vais te palpiter quelque chose sur le coin de la tronche moi. Non mais sans déconner. Ok, bon, ça doit être ça. Il faut qu'on passe par la salle qu'on a vue pour redescendre et certainement remonter par un autre côté. Allez, let's go. Un petit kit de soins, on va fouiller vite fait. Ok. C'est quoi ça? On peut pas interagir avec, donc c'est pas grave, ça ne m'intéresse pas. Hop, donc là on a une porte. On a une première porte par là-bas. Et on a aussi une porte ici. Allez. Serrure trop difficile. Déverrouiller clé laboratoire. Ok, d'accord, il nous faut une clé. Il nous faut une clé. Donc j'imagine que ça va être certainement par là. Putain, il nous faut une clé. Va trouver une clé là-dedans, toi. Ça se trouve, la clé est là. Hein. Faut juste bien regarder partout. Combinaison étanche. Vas-y, j'en prends une, on la revendra. Un aligneur. Antimicrobien, combinaison étanche, tenue de labo blindée. Moi, je le prends quand même, si jamais. Ça peut valoir un petit peu de sous. Ok, bon. Ok, on va aller par là, hein. Alors, ils sont là-bas. Ok, on fait gaffe. Je suis. Pourtant, les jeux FPS, c'est pas trop ma came de jouer à la manette. Je trouve que c'est. Il m'a fait peur ce con. C'est pas ultra opti hein, pour ça. Moi, je suis plus. Tous les FPS auxquels j'ai joué, je joue clavier-souris, hein, clairement. Clairement. Salut Akasha, comment ça va mon petit Akasha, comment ça va bien?
Bienvenue sur le live de la détresse, du désespoir. Ah là 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 là. C'est qu'il n'y a pas de fenêtre? Non, il n'y a pas de fenêtre. Ok, tiens, cadeau. Tiens, cadeau. Tiens, cadeau. Tiens, cadeau. Ah, il y en a plus, t'as de la chance. Ta tête est touchée? Bah, la prochaine fois, montre-leur ton cul. Mais ne te mets pas en. J'ai oublié de regarder ma vie. Si tu trouves le code, tu gagnes à la gloire. Mais souviens-toi d'un truc, le premier. Oh putain. Oh, je suis dégoûté. Coucou ma petite Senritsu, j'avais pas vu. Coucou mon papaïka, comment ça va tout le monde? Comment ça va ma petite Lala? Ah, ah oui, on recommence direct d'ici. D'accord. Le jeu ne me respecte pas. Ok, comment ça va ma petite Lala? Est-ce que ça va bien ma petite Lala, ma petite Senritsu? Est-ce que ça va bien? Bon, ce qui me fait un peu vriller, hein, vous le comprendrez, c'est l'IA. L'IA qui vous accompagne se met littéralement juste devant vous, hein, normal. Donc du coup, on reprend. Alors. Déjà, ne m'insulte pas, hein, je ne suis pas une proie. Je suis une jeune dé. Je suis une jeune exploratrice. Et je suis aussi notamment une ranger, donc calme-toi. Oui. Bah, très bien, tu fais des questions-réponses. Très bien, madame, très bien. Pas de problème, hein, je vois que t'es open, quoi. Alors, c'est quoi ça? Un dossier. Pas de carte. Je pense que la carte, ça doit être l'un des deux qui doit l'avoir là. Alors, les deux sont là-dedans. Et normalement, il y en avait un là-dedans aussi. À moins qu'il soit mort déjà. On va y aller mollo. On y va tranquille. On prend notre temps. Je suis hyper discret avec mon. Ok, par contre, il va falloir faire gaffe. Parce qu'il y en a forcément un qui va débarquer par là, là. Donc, on va aller les cueillir tout de suite. Allez, on y va tranquille. Qu'est-ce que je disais? Bah oui, monsieur, mais voilà aussi. Hein. Mais non, mais dis pas de conneries. Tiens, un cadeau. Il est mort? Je sais, je crois pas qu'il soit mort. Pas sûr qu'il soit mort. Il y a marqué danger. Non, il n'est pas mort. Cadeau! Coucou! Hop là! Bon, on leur roule un peu dessus là pour se venger, hein, voilà. Tant qu'il échappe à Cacha, tant mieux, c'est le principal. Quoi? Ça va, merci. On a échappé à un accident. Comment ça? Bah, l'important, oui, voilà. C'est que tout va bien. Beurre, il a ignoré la gloire directe. Ah, oh bah oui, tu sais, moi, la gloire, j'en ai pas besoin. C'est la gloire qui vient à moi. C'est différent. C'est pas la même chose, vois-tu. Je me doutais, Max, lol.
Ça va, merci mon paprika. Et toi, comment ça va? Bah écoute, ça va. On est à moins de 2 semaines du GameStream Heroes, ma petite Lala. Donc les places du concert sont en vente. N'hésitez pas à aller voir le site internet du GameStream Heroes si vous voulez prendre vos places. Je vous rappelle, c'est 12 euros. Si vous n'êtes pas loin de Lyon ou que vous êtes sur Lyon, venez nous voir. On vous accueillera. Ça nous fera évidemment plaisir de partager un moment avec vous dans un petit concert chill. Voilà, un petit concert privé. Ça serait vraiment très cool. L'important surtout, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Ouais, clairement. Ah oui, Max, parce que je ne serais pas ici sinon. On aurait été bien embêtés. Bah ouais, tu m'étonnes. J'ai bouffé un truc, je ne savais pas que j'allais faire une réaction. Ah merde! Bah, le plus important, ma petite Akasha, c'est que tu ailles bien, surtout. C'est ça le plus important. C'est que tu ailles bien. Notre petite Akasha, évidemment, hein, qui est l'une des streameuses qui participera cette année au GameStream Heroes, qui sera avec nous et qui est une jeune femme extraordinaire, vraiment. On fait aussi un gros bisou à Chapédia. Mais Akasha, voilà, c'est une jeune femme vraiment extraordinaire qui déborde littéralement d'amour. Hein. C'est aussi une maman. Donc je pense aussi que la cause lui parle énormément parce que c'est une maman. Mais pas que, c'est une personne très sensible et c'est vraiment une personne qui a un cœur. J'ai pas les bras assez longs, je pense. Voilà, j'ai pas les bras assez longs. Donc on lui fait des gros gros bisous. Mais ouais, voilà, ça va, nous dit-elle. Tant mieux, je suis rassuré. Allez, on continue à s'occuper des pirates de l'espace là. On fera la fouille. On l'a fouillé ou pas? Ouais, c'est bon, la fouille rectale est passée. Quoi? Hein, j'ai dit quoi? Lol. Donc, alors, de mémoire. Combinaison étanche, machin, nan, combinaison étanche. Donc on peut pas aller par ici puisqu'il nous faut une carte. Donc on est obligé, on avait dit de remonter et d'aller par là-bas. Hop, voilà. Il n'y a pas de petit truc caché là. Un petit truc caché. Aussi lui, on lui avait fait les poches. Donc on va aller par là-bas. Normalement, lui, on lui a fait les poches aussi. Tu vois? Oui, on t'a fait les poches. On ne t'a pas respecté. Voilà, hein, on ne t'a pas respecté. Hop, hop, hop. Voilà, du soin. Allez, hop. Ouvrez porte. Ouverture de porte. D'accord, donc normalement, ils sont là-bas, les deux clowns. J'aime pas ces viseurs-là, c'est un peu de la merde quand même. Du coup, je vais regarder un truc. Toujours pas de munitions pour cette arme. Et pas de munitions non plus pour celle-là. J'ai que 3 cartouches. Donc ça vaut pas le coup de risquer quelque chose. Par contre, on va regarder dans l'inventaire. Un couteau de poche. Joli couteau de poche quand même. J'espère que t'as une grosse poche. 28 de dégâts? Il est plus puissant que l'équinoxe, quoi. Ça, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce jouet-là? Le dos au mur pacificateur. Ouh, je sens que je vais l'aimer. Je sens que je vais l'aimer. Fais voir ce que c'est que ça. Le Domur Pacificator. Oh. Ika, tu connais bien DayZ? C'est un jeu très réaliste et détaillé. Faut trop que tu y joues, c'est incroyable. Alors, je connais effectivement DayZ. J'y avais joué il y a très 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 longtemps. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que je suis pas revenu dessus. Mais il était plutôt sympa. Jeu survival avec des aides, forcément. Allez hop. On va t'apprendre les bonnes manières à toi. T'es un comique, toi. Hein? Alors, est-ce que je peux essayer de gruger un peu?
Ah. Voilà. Hop. Le jeu. Merci. Reviens! Carabistouille. T'es sérieux, toi? Tiens, voilà, ça va te calmer. Tiens. Ah, mais elle prend feu, cette conne, en plus. Eh, laisse-moi tranquille. Recharge pas, surtout, hein. Bon, on va se la faire mano mano, hein, tant pis, hein. J'ai menti. Oui, je sais. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Mais on s'en fout, c'est des méchants. Donc on n'a pas à les respecter. Quoi? Mais il se passe quoi là? Ah, c'est que l'autre, il doit être en train de s'amuser avec des gens, c'est ça? Il est où Billy Bob là? Je crois que Billy Bob il est en train de faire de la merde, hein. Il est où? Bon, on verra bien, hein. Oh putain, à mon avis ça doit arriver. Ouais, à mon avis c'est la fête du snipe, hein. Ok, caisse de munitions vide, super. Grenade, des mines à main, très bien. Ok. D'accord, donc il doit y avoir un truc là-bas, là. C'est quoi ça en bas? Non, c'est fermé. D'accord. Des mouchoirs, pistolet à graffeuse, un microscope. Qui est-ce que je foute d'un microscope? C'est quoi ça? Ouais, ça on s'en fout. Il n'y a pas cette fameuse carte là? Ventilateur, des cutters, des machins, des bouquins, on s'en fout. De l'adhésif. Ok, des cartouches de fusil à pompe, mais c'est pas le type de fusil à pompe que j'utilise. Donc du coup, c'est un peu chiant. Donc on va revenir en arrière. Elle est où cette fameuse pack ramen? Je m'en fous de tes ramen. Même si j'adore ça, ça ne m'intéresse pas. Ah, c'est monsieur, il fait des trucs bizarres. C'est quoi que t'as à tes pieds? Micro... On s'en fout. Elle est où cette carte? Circuit imprimé. Je prends, on sait jamais, de toute façon ça pèse rien. Ok. Circuit électrique. Je prends. Mon personnage doit peser littéralement 3 tonnes. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Bon, par contre. C'est quoi ça? Batterie, je prends. D'accord, donc. Donc là, c'est par là où on est arrivé. Et je vois qu'il y a des lumières. Oh putain. Oh putain. Hop. Il me fatigue, lui, à arriver dans mes pattes à chaque fois. Il me fatigue, un truc de fou. Quand il voit plus son IA, il la cherche. Bah oui, mais oui, complètement. Complètement. J'ai vu quelqu'un ou... C'était pas ouvert ça tout à l'heure. C'était pas ouvert. Oh bah attends mon con avec ce que je te prépare là. J'étais persuadé d'avoir vu quelqu'un.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Je suis caché! Ah, j'ai plus de grenades. Sérieux? Bessu, grenade à fragmentation, allez. Eh les gars! Il est sérieux lui? Et l'autre, l'autre cow-boy, il a fait quoi là? Allez, lève la tête. Mes yeux, je ne vois plus rien. Ah, loupé. Loupé. Moi, par contre, je sais pas louper. Attends. Oh, putain, ça nous tire dessus. Ah oui, tu veux jouer à ça, toi. Voilà, ça prendra. Sale bête, va. Non, mais. On va se faire tellement. Infirmité couteau de combat. D'accord. Je vais me battre au couteau de combat avec des gens qui ont des armes à feu. Alors, sois logique. Crocodile Dundee, tu te pousses, s'il te plaît? Allez, pousse-toi. Oh là là là. Elle est mignon, mais. C'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, lui aussi. Hein. Quoi, c'est ça? Un cutter, oui, oui, encore mieux, je vais me battre au cutter, tiens. Je vais aller me battre avec des gens au cutter, c'est bien connu. Qu'est-ce que... C'est une vitre, on peut y aller? On peut pas y aller? On peut pas y aller. Ah, il y en a encore un. Oh la douille, oh la douille qui va se prendre. Ah mais non, mais c'est notre pote. J'étais prêt à allumer notre cow-boy. Qui a l'air quand même très très con, hein, vraiment. Outsiders, privet mon poulet. Vitzim privet. Comment ça va, Outsiders? Question bête, il n'y a pas de son dans le jeu? Bah si. Pourquoi ça? Très faible le son du game, presque inexistant. Ah bah oui, mais moi je voulais baisser, histoire que ça vous pète pas trop les oreilles aussi. Ben faut le dire, mes petits gars, là. Qu'est-ce qui se passe alors, enfin, voyons. Ah, vous voulez du son? Ben, je vais vous en mettre du son, moi. Option. Audio. Allez, hop, hop. Alors, les voix, on va s'en passer, hein. Voilà. Voilà. Normalement, là, ça devrait être bon. On fait un petit test. Ça va là? Est-ce que ça va? Fallait me le dire, mes enfants. Enfin, voyons. Voyons, enfin. Hein, vous le savez. Vous le savez quand même. Enfin, voyons. Alors, on va aller fouiller les petites caisses. Les crédits. Hein, d'accord. Hop. Si, si, tiens. Des crédits. Mais tu préférais pas, toi, juste fermer ta. Juste la fermer un peu, là, pour voir? Voilà, si on voulait attirer l'attention, c'est fait. Allez, on va regarder vite fait. C'est bon du coup le jeu là? Quidal? Mais quidal quoi? On est quand même à la recherche d'une clé. Hein. Tiens, c'est rien du tout. Ok. Là, on remonte où on était tout à l'heure. Ah oui, il y a un petit peu de. Il y a un petit peu de truc à. Qu'est-ce que c'est ça? Pacificateur. Hop, je prends. Voilà. Mon personnage doit peser littéralement une tonne. Vraiment. Mais j'ai envie de dire, c'est pour la bonne cause. Allez, hop, on redescend. Voilà. On va par là, on va redescendre.
Par la barbe de Jinan. Ah, il y a un autre zélote. Il est où ce con? Ok, donc on fouille. Donc on est à la recherche d'une carte magnétique. Traitement, combinaison, effet 1. Ouais, on s'en fout. Je l'ai pris quand même. Hein. Le mec ne se contredit absolument pas. Oui, tu nous hypnotises aussi. Oh, qu'est-ce que t'as mignonne, ma petite natte. Je vous hypnotise avec mes conneries. Bravo. Qu'est-ce que ça va être pour le GSH? Vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous n'êtes pas prêts, mes chéris. Hein. Même moi, j'arrive à m'hypnotiser avec mes propres conneries. C'est pour vous dire. Hein? Si c'est pas fou quand même ça. Ok. Bon. Je pense qu'on a fouillé la grotte. C'est quoi ces bruits bizarres? Qu'est-ce que c'est que ces bruits là? Ah, c'est la glace qui fait ça? Non. Il me fatigue le Sam là. Avec sa tête de vainqueur. Ok. Bon, on rebrousse chemin, on va remonter. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de carte. La fameuse carte qu'on est censé trouver. Ah, allez. Voilà. C'est quoi, c'est une porte, ça? Ah, mais elle est verrouillée! Ah, on est de l'autre côté. Ah, bah, il y a des gens, là. Il y a des gens, il y a des copains. On va aller leur rendre une petite visite. Mais ne passe pas devant moi, mais qu'il est con! Ah, c'est pas une flèche celui-là. Hein. Vous allez me le payer. Bah, t'es juste en train de crever, quoi, donc. Allez. Mais t'es sérieux toi avec tes punchlines du turfu là? Il est où ce couillon? Mais il est où? Je t'en pose des questions moi. Oh, oui, donc. Il est où Rentemplant là? Il est passé où Rentemplant? Combinaison étanche, on s'en fout. On est d'accord, il y avait bien un mec. Il y avait bien un deuxième gars là qui était caché ici, on est d'accord. Hein? Je suis pas taré. Ah oui, alors Eden qui met les deux pieds dans le plat. Hello, Boudider! Je pense que là, clairement, tu viens de te faire souiller ton blaze. Ah, salut Eden, lol. En plus, je me suis proposé modo pour le CSS. Vais-je survivre? Mais oui. Évidemment que tu vas survivre, ma petite natte. Elle était partie en RTT. Il était parti poser ses congés. Évidemment que tu vas survivre, ma petite natte. Évidemment. Ne t'inquiète pas, ça va bien. Alors, son arme. Ah, d'accord. Son arme est là.
On va aller voir vite fait au bout de cette impasse ce qu'il y a. Un PC cassé, d'accord. Des crayons? Une boîte à crayons peut-être? Quoi? Polytextile, ce composant manufacturé peu commun est un objet peut-être utilisé composant de fabrication. J'en ai rien à tambouriner. Non mais ça a l'air d'être grand quand même cette merde. C'est une porte? Oui, c'est une porte. Ah, c'est une aération plus précisément. Non, on peut pas passer là. J'aimerais bien quand même savoir il y a quoi ici là. Il y a des gens ou pas? On n'y a pas été ici parce qu'il y a un mec. D'accord, on peut pas passer là. Il y a un mec de l'autre côté mort, donc on va aller regarder. Ouais, on y va tranquille. Ok, il y a une porte là-bas. Ah oui, il n'y a pas que un mort, il y a plusieurs morts même. Oh bah ils sont pas. C'est pas la grande forme. Hein. Bonbon gélifié. Il bonbon. Un kit de soins. Un kit de soins. Un pack de jus d'orange. Et une petite carte non. Hein, ça vous emmerde. Une chaise gaming. Pourquoi pas? Ok, c'est quoi ça? Cadre de bureau numérique. Je m'en fous. Je veux la carte d'accès, moi. Je veux la carte d'accès. Ça s'ouvre pas. Ça non plus. Ça, on s'en fout. On va aller voir par là. Il y a des gens. Il va falloir se méfier. Alors, on est caché. Alors, il y a des cartes, mais c'est des. Mais ça, on s'en fout. On est d'accord, on s'en fout de ça. C'est quoi, c'est une porte, ça? Non, ça, non. Ah non. Ok, bon. Un peu intrigant quand même cet endroit-là. Je crois qu'on est arrivé par ici puisque on avait vu ici comme ça la porte. Il y a une autre porte. Porte verrouillée. Déverrouillée, avancée. Va falloir développer le crochetage et vite. Parce que ça me saoule de passer à côté de porte et de ne rien pouvoir faire parce qu'on n'a pas la compétence. Un distributeur de savon. Tu veux que je les frotte jusqu'à ce que ça. Ils savonnent tellement fort qu'ils en meurent. Ok, il y a une autre porte là. Un calepin. Hein. C'est quoi ça? Un biohazard. On le sait bien, hein, si on a joué au Resident Evil, on sait que biohazard, c'est la merde. J'entends que ça se déplace. Ou alors c'est peut-être le bruit de la neige, je ne sais pas. Je me demande, c'est pas par là où on est arrivé tout à l'heure. Ou est-ce que c'est un autre endroit? J'avance tranquille, hein, vraiment, hein, combinaison étanche, je m'en fous. Ah, qu'est-ce que je viens de voir là? Je viens de voir une ombre passer. Oh putain, ça sent la sentinelle. Ça sent la sentinelle direct.
Ça sent l'arme, ouais. Ça sent l'arme de protection automatisée. On a intérêt à la jouer fine parce que là, on n'a pas de gros calibre. Là, on risque peut-être de s'en prendre. On va peut-être s'en prendre plein de fliac. Hein. Oh putain! Une carte d'accès bah une carte d'accès pour ouvrir deux portes qui sont fermées aux étages juste au-dessus. Donc, il va nous permettre d'accéder à deux pièces qui potentiellement pourraient nous faire récupérer des choses intéressantes. Notre mission sur cette base abandonnée, c'est de liquider en fait un gars. Apparemment, c'est déjà fait. Et donc potentiellement récupérer des choses intéressantes et surtout apparemment à force de remplir des missions en tant que ranger puisqu'on est devenu de facto pas ranger directement puisqu'en fait le délire c'est que on doit remplir cette mission et peut-être une autre mission pour devenir ranger officiellement et en profiter et eh bien pour récupérer potentiellement un gros vaisseau, d'après ce que nous disait donc Max. Alors attendez, on va faire un truc. Voilà, je vais finir mon café tranquille, comme ça me permet de vous lire un petit peu. Et ouais, et donc du coup, on chill un petit peu tranquille ce soir. On remplit une petite mission, voilà, on y va pépère. Je vais en profiter voilà, pour couper la cam comme d'habitude, hein, vous le savez, voilà, pour fumer ma petite clope tranquille avec vous. Alors, tac, tac, voilà, je me remets sur le jeu. Voilà. Hop. Mais en gros, voilà, on est parti faire une mission tranquille qui nous permet de récupérer eh bien, un vaisseau potentiellement. Les escaliers tout à l'heure, tu pouvais monter et c'était détruit. Retourne sur place et monte, tu trouveras la carte. D'accord, bah écoute, on va checker ça. Mais là, pour l'instant, on a un autre problème. Je dirais même un gros problème. Et vous la voyez, l'IA, là, qui va aller se mettre dans la mer toute seule? Vous la sentez bien arriver, celle-ci? Alors, est-ce qu'on a des munitions? Oh que oui! Oh que oui! Je vais me débarrasser de ce robot de merde en 2 secondes. Avec cette arme qui est littéralement une dinguerie. Gâte bien. Coucou mon petit lapin. Allez, bisous! Bon, j'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Mais oui, bon bah ça va, toi, s'il te plaît. Est-ce que je t'en pose moi des questions? Ok. Ok. Je récupère des trucs, mais c'est pas forcément ce que j'aimerais récupérer. J'aimerais récupérer des choses plus intéressantes. Ok, bon, j'avoue, c'est sympa quand même. Après, j'aurais pu vraiment prendre mon temps et faire un traquenard, c'est-à-dire lui faire littéralement un champ de mine. Vraiment. Et en utilisant. On n'est pas obligé d'y aller comme des bourrins. Hein. Bon, vous me connaissez, moi, la subtilité, c'est pas trop mon fort. Hein, mais c'est vrai que, par exemple, quand je joue à des jeux d'infiltration, à proprement parler, genre Splinter Cell et tout tralala, c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien niquer mes adversaires bien comme il faut. Leur faire, comme on dit concrètement, du sale. Ok. On peut passer par là, mais on peut aussi passer par ici. Il y a quoi? Ah, je pense que ça nous fait arriver. Hein, c'est quoi ça? Ok. Juste un endroit où on aurait pu potentiellement se cacher. D'accord. On va faire le tour vite fait.
C'est quoi ça? C'est un truc médical? Non. Bon, c'est pas très très grave. C'est pas très grave. On va checker tranquille. Donc apparemment, on peut pas monter. Ouais, là, on peut que faire le tour de ce truc-là. Donc, bah, autant se tirer. Hop. Voilà. On pèse 2 tonnes. Donc, je viens littéralement de me péter les jambes. D'accord, on est arrivé par là. Donc, normalement, il faut retourner en arrière. Voilà, on est arrivé par ici. Par contre, je vais en profiter pour regarder si, par hasard. Non, j'ai toujours pas de munitions pour mon super flingue de la mort qui tue. Lui, c'est pareil, c'est pas ouf. Du coup, je vais devoir me contenter de ça. Est-ce que je pourrais pas monter? M'a fait peur ce. Alors, donc fallait que je revienne en arrière pour prendre des escaliers. Ici, on est rentré. Ah non, la porte était verrouillée. Ici, on y allait. C'était un cul-de-sac et un deuxième cul-de-sac. Donc, il faut qu'on remonte. Voilà. Donc normalement, ils sont tous dead. Là, on peut pas passer. Et là, on n'était pas allé par là. Donc là, on a les escaliers. Ça, ici, on peut pas passer. Alors que la musique est beaucoup plus chill d'un coup. Voilà, là on a des escaliers, je pense qu'on va pouvoir certainement grimper par là. C'est peut-être par là que tu voulais qu'on aille. Quoique non, on était descendu par ici. Alors attends. Non, on peut pas interagir avec cette porte-là. Potentiellement du monde. Fais gaffe. Mais quel intérêt d'avoir une pièce comme ça? Ah, on peut pas monter de toute façon. Comme ça, au moins, c'est réglé. C'est quoi? C'est une cache? C'est quoi? C'est un. Non, ça ne sert, c'est non, ça sert à rien. Ok. Donc on retourne en arrière. C'est dommage qu'ils mettent pas un petit plan. On a une espèce de boussole qui nous oriente vers notre objectif, mais un petit plan ça aurait été ça aurait pas été désagréable non plus. Un petit plan, hein. Histoire de. Ah, il y a des escaliers là-bas. Il y a des escaliers. Tac, tac, tac. Ça monte là. Ok, on y va de chill, hein. On y va tranquille. Mais ici, on est déjà passé par là. Donc, il faut qu'on remonte. Il faut qu'on remonte. Le son du jeu est toujours inexistant. Bah non, pourtant, moi, je l'ai bien dans les oreilles, hein.
Non mais je pense que le jeu il bug de ouf. Là vous avez du son? Alors j'ai fait une mise à jour juste avant... Enfin une mise à jour. J'ai... Enfin oui, j'ai téléchargé la mise à jour du jeu. J'espère qu'ils nous ont pas fait le coup de... Parce que j'avoue, depuis que j'ai lancé le jeu, alors que j'ai fait la mise à jour juste avant le live, je me demande si c'est pas ça. OBS, attends une seconde, j'ai une idée. J'ai une idée. Là, normalement, ça devrait aller nettement mieux. Ah, par contre, n'hésitez pas à me dire, ça se trouve, ça va être beaucoup plus fort pour vous. Hein. Et là, est-ce que ça va mieux du coup? Normalement, ça devrait être largement mieux. Je l'ai remonté sur OBS également. Normalement, vous devriez entendre et la musique et les sons. Je me demande si c'est... Bah voilà! Ça, vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est de la faute d'Outsider, ça. C'est de la faute d'Outsider. Hein? Il a fallu baisser son truc, là, parce que le son, là, hein? Oh, on entend les tirs, nous dit Nat. Oh putain! Oh putain! Quoi, notre tirs là, notre, même là, la musique là! Eh? Oh là là! Oh ma couille! Ah, on entend tout là! Oh c'est bon là! Donc si je bouge pas, c'est normal, hein, je suis en train de rouler ma clope. Ah, mais c'est de la faute d'Outsider ça, c'est parce que, évidemment, hein, on a essayé samedi dernier, on a eu. Enfin, j'ai eu le privilège de passer une soirée avec mon bro. Et ça faisait longtemps que j'attendais ça. Et il nous a régalé donc avec son jeu Tara no Dzetsu. Cristalu! D'ailleurs, je l'ai refait. Hein, ça, avec le petit patch que tu m'as donné, ça roule du feu de Dieu. J'ai pas eu un seul petit bug. Et voilà. Comment ça, c'est de ma faute? Oui, c'est ta faute. Si je dis que c'est ta faute, en pensez tout. Voilà, hein, non mais dis donc, espèce de mal élevé là, oh. Allez, rappelle-toi, le son de ton jeu, on pouvait pas le baisser, on pouvait le baisser que de 20 par 20. Donc en fait, 20 c'était encore trop fort. Et ça faisait bizarre les grenades sans son. Bah, c'est des grenades silencieuses. Même sans son. Ah bah là, si je te balance une grenade pour le fun. Voilà. Là, il y a du son dans la grenade. On est d'accord? Ah, nice, tant mieux. Moi, je travaille encore dessus. D'accord. Il faudra qu'on se fasse un petit call prochainement, mon petit Outsiders, pour discuter justement de l'avancée du jeu, notamment, mais de ce que je t'avais proposé. Comme ça, on se met chill, on se met bien, tranquille, on se fait une petite soirée vite fait. Allez, on revient du coup en arrière, on va essayer de remonter à notre objectif. Donc, ok, là on a un escalier, on a remonté un escalier pour arriver là. Donc là, on est d'accord que c'est good dans le son. Ah! Mais j'ai tombé! Oh là là, j'ai tombé! J'y suis tombé. Hop, hop, allez. Mais non, mais. Voilà. Ah oui, c'est qu'il peut pas, en fait. C'est qu'il peut pas monter par là. Attends, on va lui laisser reprendre son souffle.
Tu veux me dire que je peux pas passer là? Tu te fous de ma gueule? Aïe! C'est la question. Et si tes amis sautaient d'une falaise, tu sauterais aussi? Ouais! Et toujours non. Eh ben, tu te démerdes pour me rejoindre! Quand tu voudras, tu me dis. Son impec, nous dit notre petite natte, tant mieux. Effectivement, c'est vrai que j'avais pas, j'avais peut-être pas pensé à revérifier dans l'OBS. Et j'avais dû laisser le son tel quel. Bon, par contre, c'est pas pratique là, leur truc là. On s'y retrouve pas très bien. Casse-toi, toi. Voilà. Donc, on redescend. À part là. Je me demande s'il n'y avait pas une porte dans le coin. On va par là, on remonte les escaliers. Voilà. Par là, lui, on l'avait fouillé. Notre objectif est en haut à 56 mètres. Là, on peut pas passer. Là, on monte. Croyez que c'est ça? On saute pas assez haut là. Bah non, on saute pas assez haut. Là, c'est verrouillé expert. Ah, mais comment on fait pour remonter alors? C'est pas une porte ça que je vois là-haut là? C'est par là où on est arrivé. Là on en vient. Putain, elle est chelou cette station là. Faut descendre pour remonter? Pas impossible, tu me diras, pas impossible. Monte, je peux pas monter. Je peux pas. Je peux pas monter. Je peux pas monter, il veut pas que je monte le jeu. Il y a quoi par là? Tout en haut des escaliers et saute pour monter encore plus haut. Mais je peux pas. Je peux pas. Je vais te montrer, hein, mais je peux pas. Voilà, je vais là. Tac. 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 Ça me rappelle quand tu sais, on était sur ton live sur Doom 2016. Lapin! Mais lapin, qu'est-ce que tu dis? Lapin! Lapin! Voilà, regarde. Je monte. Voilà. Je suis en haut des escaliers. Ouais, c'est quoi ce bruit? Je suis en haut des escaliers. Là, après, je suis sur les tuyaux. D'accord? On est d'accord. Là, c'est des tuyaux. Je vois pas où je peux monter. Je vois bien qu'il y a un truc là-haut, là. Je vois bien qu'il y a un truc là. Ah! Ah, je suis... Ah, putain. Ah, non, je suis tombé. Il est tombé. Voilà, je remonte. Casse-toi, machin. Voilà. Bah, saute en face. Saute en face. Sur la petite passerelle, là. Sur cette merdouille, là. Mais je vais me pinter la gueule.
peux pas sauter sur la plateforme. J'ai pas de. Tu vois? Je suis en train de me péter les guiboles à chaque fois là. Je peux pas, j'ai pas de jetpack, rien du tout moi. Ah bah non, j'ai pas le jetpack moi. J'ai pas de jetpack. Au-dessus. Oui, tu veux que j'aille là, là, ici. Tu veux que j'aille ici. Pour monter après l'escalier là. Mais je peux pas. J'ai pas de jetpack, moi. Oh bah non. Oh bon bah. Bah oui. Max, si t'es encore là, j'espère que c'est pas genre une mission qu'il faut faire avec le jetpack, parce que j'ai pas de jetpack. Mais je pense qu'il faut qu'on revienne au début du truc pour récupérer un. Parce qu'on avait plusieurs possibilités. Donc on va aller par là. Donc 70 mètres, machin. Hein. Est-ce que en allant par là? Est-ce que j'ai pas moyen de gratter un peu là? Attends, 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 attends. Mais saute quand je te demande de sauter, espèce du gnir. Voilà. Voilà. On met où? Ah ouais, mais non, là, on en revient de là. On y a été. Et on pouvait pas. Et on pouvait pas. Allez, 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 allez. Voilà. Oh, je lui ai fait faire deux trucs, elle en peut plus de la vie, quoi. Là, c'est cul-de-sac, normalement. Voilà, puisque là, on revient. Voilà, on est de l'autre côté en fait. Notre objectif n'est pas par là, clairement. Allez. Ouais, on doit peser 300 kilos au moins, au bas mot. Parce que quand je vois comment on a du mal à récupérer notre stamina là. Là, à part se péter la gueule, en plus il y a un petit bonhomme qui dit attention, si tu glisses, tu tombes. Ok, donc on va suivre le petit machin là. Ok. Hop. Mais. Voilà. Ici, c'est pareil, il n'y avait pas de porte, rien du tout. C'est quoi ça? Et là, on pouvait pas faire grand-chose. Donc du coup, coincé. Donc on va repartir en face pour remonter. Voilà, hop. Voilà, on est par là. Hop là. Allez, lève-le ton gros cul là. Non, mais dis donc. Voilà. Ok. Du coup, on va descendre. On va voir si on a récupéré cette fameuse carte. Super. Je ne sais absolument pas où est cette carte. Hein. Je pense que ça doit être l'objectif qu'on cherche. Mais ouais, si on n'a pas de jetpack, bah, pff, on peut pas gruger. On peut pas gruger le jeu du coup. Alors peut-être qu'il y a un autre moyen. Si là, pète le mur. Le truc en bas là avec toute la glace, mais je peux pas. J'ai déjà essayé de mettre un coup de crosse dedans et pff, il se passe rien. Ah, puis à force, moi je sais plus où je vais là.
Je veux bien essayer, mais... Tu veux que je le pète avec quoi, le mur? Je crois que c'était par là, là. Ah, puis tout se ressemble en plus, donc c'est vite chiant. Ouais, je sais plus où je vais à force. Là, ça me saoule. C'était par là, je crois. Allez, lève-le ton cul, là. Allez, lève ton cul. Voilà. Voilà. Alors, mais comment t'es passé, toi? Il se fout de ma gueule, le jeu, quoi, là. Vas-y, mais passe. Ouais, non, mais ah, ça me ramène dans la... Mais pour la carte, tu n'as pas d'autre choix. Mais bon, ça sert à rien de le péter. Le mur, là, c'est juste un accès plus rapide pour aller à l'étage du dessus. Donc, tu perds rien. Mais pour la carte, t'as pas d'autre choix. Ah bah, j'ai pas de jackpack, donc du coup, je l'ai dans le cul, quoi. C'est ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire que la mission qu'on est en train de faire là ne sert absolument à rien puisqu'on n'a pas le jetpack. Et comme je sais pas où on récupère le jetpack, ça va pas beaucoup m'aider. Alors, mais je comprends pas leur délire là. Je comprends pas leur délire en fait avec ce truc là. Il faudrait le faire à l'envers. Dans les compétences, le jetpack IK. Dans les compétences. Dans les compétences. Eh bien, le bonsoir à notre ami Mustérion. Comment ça va, mon petit Mustérion? Est-ce que ça va bien? Compétences. Ah, géologie, hein. Système de ciblage, sécurité, pilotage, certification jetpack. Vous pouvez désormais utiliser le jetpack. J'ai envie de crever. Ah putain. Bon, bah on est bon pour retourner du coup dans les escaliers où on pouvait pas aller parce qu'on n'avait pas le jetpack. Parce qu'en fait, le jetpack on l'avait sur nous, mais on n'avait pas le point de compétence pour activer le jetpack. Maintenant, on a un point de compétence donc on peut activer le jetpack et maintenant on peut y aller.
Voilà. Ça roule, merci. Technicien, le deuxième. Oui, d'accord. Ok. Alors, comment... donc, j'ai pu voir hein, sur le Discord de Gaming Wiz le petit message. Tu rends fou, ISD. Oui, je sais. Bah voilà, tu vois quand tu veux, Ika. Allez, c'est parti, ça troll dans le chat maintenant. Merci. Merci de vous payer ma gueule. Comme je disais... merci évidemment à Mustérion pour le petit message qu'il a mis dans le Discord donc, de Gaming Wiz. Et surtout, bah, moi de mon côté, je commence à là, j'ai terminé les visuels parce qu'on attend juste en fait deux logos, enfin un logo précisément d'un autre partenaire qu'il faut absolument entre guillemets pouvoir rajouter à l'overlay. Oh, bonsoir, ma petite Ara, bonjour, je viens en paix. Oula. Oula, je viens en paix. Oula, Nadine. Oula. Comment ça va, ma petite Ara? 30 ans de jeux vidéo, ça commence à causer. Oh, bah. En même temps, moi, vous le savez, hein, le problème, c'est qu'en fait, sur un jeu, il faudrait que je sois extrêmement régulier sur le même jeu. Donc, en fait, des fois, je me demande si je devrais pas, au lieu de proposer... des lives différents dans la semaine, juste me focus sur un jeu pour être bien à jour à chaque fois et pas perdre le fil tout simplement parce que là ça faisait quoi, ça faisait deux semaines une semaine qu'on n'avait pas joué à Starfield, donc on perd vite le truc en fait, on va perdre des réflexes entre guillemets qui malheureusement au bout de quelques temps, si on fait pas gaffe. Bon, par contre, moi, c'est ça que j'aimerais comprendre. C'est ce truc-là. Voilà. On a la possibilité d'aligner le truc, mais il y a un truc intérieur, il y a un truc externe. Il y en a un là. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait caler? Donc, logiquement... ça va pas. Ça n'a aucun putain de sens. Ça, je comprends pas en fait le délire de la ligne. Au début, c'était hyper simple, hein, la ligne. C'est devenu une chienlit. Mais alors, d'une force. Attends une seconde. Putain, je crois que je suis en train de capter le délire. Lui, il est bien aligné. Aligné, aligné. Il y en a un qui déconne. Ah, ça me rend fou. Ça me rend fou.
C'est un regret de ne pas pouvoir participer au GSH, mais on y contribue dans l'ombre cette année. Tout à fait. Niette, c'est pas là que t'as perdu le fil, c'est qu'il te manque des fils. Nuance. LOL, ça c'est fait. Comment ça va? Bah, ça va bien, ma petite Tara. Allez, ça va, ça va, ça m'angoisse, ce truc-là. Allez, on va retourner en bas. On va retourner dans les escaliers. Et on va essayer de monter. Évidemment, une très très bonne nuit à toi, mon petit Musti. Et de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est que partie remise. Même si c'est vrai que c'est les circonstances font que c'est pénalisant, c'est vrai. Et c'est frustrant de savoir que on se... Putain! Le jeu, s'il te plaît, respecte-moi! Et de savoir qu'on se retrouve bloqué pour un truc aussi con. Mais ce n'est que partie remise. Et effectivement, vous y contribuez énormément cette année avec la trappe rêve. Et je me perds dans ce labyrinthe. Voilà, c'est par là. Non, c'est pas par là. Bethesda, développez une mini-map, s'il vous plaît. Parce que ça devient infâme. Ça devient infâme. Et donc, j'ai terminé de travailler sur les overlays. Il ne manque plus qu'à rajouter les logos. On les attend, on attend que le partenaire nous fournisse les logos. Et du coup, donc l'overlay sera terminé ainsi que les scènes. Et ça me permettra de pouvoir donc travailler à côté, eh bien, sur les visuels, eh bien, de la trappe rêve. Donc, n'hésite pas à m'envoyer tes idées brutes. Et puis, comme ça, on va peaufiner ça, on va travailler ça tous les deux avec plaisir pour pouvoir avoir les scènes et les visuels. Donc, pour la trappe rêve. Alors, normalement, maintenant, on devrait plus être emmerdé. Quoi, c'est ça le jetpack? Vous foutez de moi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Outsiders, qu'est-ce que je te fais? Ah, c'est quoi cette merde? Ah, mais ça sert à rien! Ah putain, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je l'avais pas vu l'autre là. Il était caché sur le sol aussi là. Rapport final, on dirait que ma chance a tourné. J'ai tout essayé pour éviter ce désastre et maintenant je pourrais être sa dernière victime. Les reproches n'ont plus aucune importance. Toutes les personnes impliquées dans cette décision médiocre sont mortes ou le seront bientôt. Si des personnes morales lisent ceci, veuillez noter que j'ai tout déclaré correctement et j'ai suivi toutes les procédures. Il ne devrait donc y avoir aucune raison de détruire les indemnités de l'assurance vie. On s'en bat les steaks. Allez. Voilà, on a récupéré la carte. Ok. J'ai bien cru que le jeu nous trollait une fois de plus. Donc maintenant, on peut revenir en arrière pour aller ouvrir ces fucking portes. Allez, on y va. À terre, Ika. À terre. Je t'imagine tellement, c'est devant ton écran. Mais qu'il est con, celui-là. Mais à terre! Enfin, voyons où! Il partir! Partir, monsieur! Ah, moi, je me suis enfermé dans un truc. Voilà. Hop, hop, hop. Allez, on fait demi-tour. On va les ouvrir, ces portes. Oh là là, le live de la déchéance, le live de la décrépitude. Oui, parce que la porte est fermée par là. Oui, bah oui, puis en plus on a une carte magnétique, mais bon, elle nous ouvre pas tout, hein? Sinon, ça se saurait. Ça, c'est cul-de-sac, il me semble. Oui, ça, c'est cul-de-sac. Allez, casse-toi, là, cow-boy, là. Hop, là. Ah, puis elle se fatigue. Elle est tellement chargée comme une mule, la pauvre. Tu fais pas d'effort, hein? Je vais te goumer, hein. Je te préviens. Je te préviens que si tu ne fais pas d'effort, un minimum,
Je vais littéralement ou tout goumer. Évidemment, c'est bien connu, hein. Goum, 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 goum. I want you in my room. Je suis un poète. C'est bien connu. Mais là, on n'est pas dans la bonne direction. J'ai envie de crever. Non, mais vous êtes d'accord, une minimap, ça serait tellement bien. Parce que moi, je suis un ronronneau à Zoro. Je me perds dans un couloir où ça va tout droit. C'est infâme quand même. C'est infâme, on est d'accord. On est d'accord. Donc là voilà, par là. Tac, par là. Ok, on revient en arrière par ici. On prend la porte à gauche. On prend le petit passage ici. Là c'est fermé. Là, je sais plus. Là, il y a la porte. Voilà, normalement c'est par ici. Mais non, mais nique-toi. Par là peut-être. Oui, je crois que c'est par là. Je crois que c'est par là. Oui. La petite porte qui est là. Normalement, je crois qu'on. Ah non, c'est fermé par ici, je crois. Ouais, c'est fermé. Quelle idée de faire des portes et des accès à la con aussi, là. Attends une seconde, maintenant qu'on a le jetpack, là. On peut pas gruger un peu, là? Hein? Est-ce qu'on peut pas gruger le jeu, là? Un petit peu, quand même, là. Mais il est claqué au sol ce jetpack là quand même. Oh là là, c'est infâme. Là, au secours quoi. Allez, remplis-toi le jetpack là. Mais voilà, ça c'est pas compliqué quand même. Je suis même pas sûr que ce que je fais en fait ça a un sens. Hein. Voilà. J'y crois pas trop en hein, ce que je fais là. Hein. Je n'y crois pas moi-même. Hein. Mais Mais t'es sérieux? Oh là 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 là, j'ai envie de toi. Dégage toi, dégage, voilà. Hop. Je sais même plus où je suis là. C'est quoi, c'est une plateforme ça? Voilà. Ok, tac, comme ça. Ok, comme ça. Mais... Voilà. Alors. Ok, c'est une toute petite plateforme de rien du tout. On va y aller tranquille. Bonne nuit, Tara. Je vais faire un labyrinthe sans shit sur mon jeu, tiens. Oh là 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 là. Sans shit. Oh là là, non, non, pourquoi un labyrinthe? Pourquoi? Pitié, s'il te plaît. Non, Outsiders, pas de labyrinthe. Pitié. Et il est perdu. Moi aussi, je suis une vieille peau. Je vais aller rompiche. Des bisous. Bonne fin de soirée à tous. Des gros bisous, Matara. Un gros bisou à Eden aussi. Un gros bisou à mon Outsiders aussi. Passez une très très bonne nuit. De toute façon, on va sortir de ce truc-là une fois qu'on a fini. Et on s'arrêtera là parce que forcément, demain matin, se lever à 3h30, ça pique la gueule. Ok, allez, on va essayer de ne pas se viander comme un vieux déchet. Quoi, tiens? Des organes? Ouais, mais non, non.
va vouloir aller sur une planète là, on va se faire kicker direct là. Donner du programme Marzana. Sinistre. Et ça fait partie du boulot. Ouais, mais moi je veux pas récupérer ça, moi. Ok, d'accord, 13 000 crédits, mais comment je le refourgue sans me faire coincer là? Je sais pas quoi faire avec ça là. Ouais, tant pis. Allez hop. Et d'ailleurs, comment il est arrivé là? Ah bah non, c'est parce que c'est Keblo, d'accord. Bon, il va falloir qu'on trouve comment sortir de là sans trop se galérer la vie. Allez. Donc là, on peut pas. Donc après, là, on a les grands escaliers. Est-ce qu'on peut. Non, on peut pas passer par là non plus. Il y a une porte là-bas, là. Hein. Comment on y accède? Comment on y accède? Peut-être par là. Hein? Possiblement par là. Oui, il y a les cadavres de tout à l'heure, donc ça doit être obligatoirement par là. Voilà. Ok. Ok. On va y arriver, hein, on va y arriver, hein. Patience et mère de vertu. La mère de qui? Je sais pas. Mais c'est la mère de qui? Hop. Donc non, voilà. Hop, ici, tac. Allez, le jeu. Voilà. Hein. Voilà, il faut aller par là. Par là, maintenant qu'on a le jetpack. Voilà, hop. On met une quenelle au jeu. Voilà. Voilà, on remonte. Ok. Là, c'est la salle où il y avait. Hop. Voilà. On pouvait pas parce que c'était un cul-de-sac. On a récupéré tout ce qu'il y avait récupéré. Et nous, on arrivait d'en face. Donc on va aller en face, on va remonter. M'a fait peur, lui. Allez, monte. Voilà. Ok, donc non, hop, 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 hop. On peut pas gruger par là, là? Bagadon. Bagadon! Allez! Ouais, non, mais c'est du foutage de gueule. Ça sert à rien en fait ton truc là. Ça sert à rien ton passage là. Ah, attends, et ça s'ouvre. Et ça s'ouvre. Clé du laboratoire de recherche Cyborg. Comment ça? Ah, mais le truc nous emmène. Il y a quoi en dessous? Il y a trop d'objectifs là. Il y a vraiment trop d'objectifs. Il me fait flipper lui à chaque fois là, à apparaître juste sous mon nez là. Ah bah d'accord.
Ah oui, je reconnais la salle. Je reconnais cette salle. Oh, la lampe jardinière, regardez-moi ça comme c'est cute. Structure adaptative, poulet synthétique. C'est bizarre quand même. J'étais persuadé qu'on avait fait cette salle. On est là. Ah oui, la machine à café, ça y est, je la reconnais. La machine à café. Ok, on va par là. Ensuite par là. Lui, on lui avait. Voilà. Putain, mais on entend des trucs bizarres quand même. J'espère qu'il n'y a pas un robot qui a popé entre-temps là, parce que on n'est pas bien là. On n'est pas bien. Si on est en face, si on tombe en face d'un robot là, on est dans la merde. On est dans le caca. Donc, du coup, on peut remonter. Ah là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il me semble que c'était plus bas. Perdu. Je suis toujours là, j'ai pas disparu, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. C'est nous qui nous perdons littéralement. Ah bah voilà! En fait, l'objectif c'était la sortie. Oh là là là. Mais oui, mais c'est pareil, les clés, alors du coup, elles servent à quoi? À quoi servent ces clés? Ça doit bien servir à quelque chose. Ça doit bien servir à quelque chose quand même, ces clés. Là, c'est. Il me semble que c'est le truc du début, ça. Oui, parce qu'on est arrivé de par là. On est arrivé de par là. Donc, quand on est arrivé par là, on est allé ici. On est allé ici. Ouais, mange des bon. Casse-toi! Ah là là, il m'énerve, lui. Il m'énerve à tout le temps être dans nos pattes, là. Ah là là, il est comme Penouille tout le temps. Enfin non, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout de ma phrase. Putain, il est. Allez où là? Là. Là, voilà. On descend. Et normalement, les portes du labo, elles sont juste en bas. C'est horrible. Signé Capitaine Jack Sparrow. Mais malheureusement, c'est là que nos chemins se séparent. Le Capitaine Jack Sparrow doit se coucher. Oh, le Capitaine Jack Sparrow, il va faire dodo. Signé Capitaine Jack Sparrow. Et souvenez-vous de ce jour où vous avez failli capturer le Capitaine Jack Sparrow. En tout cas, une très très bonne nuit à toi et à très bientôt. Ok, donc on était arrivé par là. On avait attaqué les gens, machin, nan, nan, et on était descendu par ici parce qu'on n'avait pas le choix. Voilà. Donc ensuite, on va là. On n'avait pas le choix d'aller par ici. Voilà, ça, c'est ok. Je me souviens de ça. Tac, ça, ok, c'est bon. Ici, ok. Ensuite, c'était en face ici. Voilà. Ensuite, on était ici. Là, c'est la petite salle, machin, là. Et normalement, les portes fermées sont dans ce labo-là. Elles sont là. Youpi!
Alors par contre, je suis un peu, j'ai un peu peur. Parce que il y a une carte qui disait que c'était un accès à un truc cyborg. J'espère qu'on va pas se retrouver en face d'un gros méca à la con. Parce que je serais pas bien. Des crédits, ok. Oh, mais t'as fini de nous emmerder, toi. Tout le temps en train de la ramener, là. C'est chiant, ça, à force, là. Il est tout le temps en train de pigner, là. D'accord. Plaquette semi-métal. Les œufs, machin. Non. Allume la lumière. Voilà. Avec la lumière, c'est bien aussi. Ok. Juste pour ça? Tu te fous de moi? Tu nous as fait galérer avec un truc pourri juste pour récupérer un truc merdique. C'est une blague, j'espère. Ça, j'en avais un, ça. Un pendule de Newton. Ça me détendait de ouf. C'est tout ce qu'il y a à récupérer là-dedans, là. T'es sérieux? Même dans mon vaisseau, j'ai pas une caisse de stockage comme celle-là. Exactement. Au revoir, Eka, et bonne nuit à tout l'équipage. Des bis à toi et évidemment, bon vent sur les mers de Sea of Thieves, capitaine. Allez, on remonte, on va ouvrir la deuxième porte et puis après, on se tire d'ici. Donc la première porte était là, la deuxième porte est là-bas. Ça s'est ouvert. Ah, c'est bizarre. J'ai l'impression que les trucs ont repop. Quelle combinaison de personnel. Tenue de travail est noire. Ok. Alors, faudra que je me rencarde quand même sur le fait de récupérer des organes, donc ça devient de la contrebande. Mais le problème, c'est que quand vous arrivez à comment ça s'appelle? Près d'une. Attends. Ah, j'avais cru voir un mec. Quand vous arrivez près d'une planète et que vous vous faites scanner, il y a de fortes chances donc que vous vous fassiez recaler. Parce que bah justement vous avez des objets de contrebande sur vous. Et ça, c'est pas fifou. Allez, on se tient. Oh, on en aura chié dans ce labo là. On en aura chié des ronds de chapeau. Allez. Hop. Hop là. Oui, c'est par là. Tac, tac. Comme ça. Allez, bisous. Fouf, alors, elle était galère cette mission. De toute façon, Max avait dit que c'était un peu long quand même. C'était un peu long. Ok. Hop, allez, on ressort de là. On regarde, ils se font un câlin. C'est mignon, hein, ils se font un gros câlin tous les trois là. Sortie, allez, par là. Mais arrête de me courir dessus comme ça, tu me fais peur à chaque fois, monsieur. Ok. Je vais voir quand même par curiosité ce que c'est que ce truc là en face là. Et ça là, c'est quoi ça? D'accord, c'est juste. Je pensais que c'était un truc qu'on pouvait analyser. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est ça?
Allez, lâche-toi ton scan, allez. Le scanner a capté un truc bien. Bah écoute, on a lisé 3 ressorts sur 3, donc... Ah! Mais putain, j'ai eu peur! D'accord, on peut pas l'ouvrir. J'ai bien fait passer sur le toit. Ah, j'ai flippé quand le truc il a sauté là. D'accord, apparemment il n'y a pas d'autres accès en direct. Notre vaisseau est là-bas. On va en profiter pour terminer le live, le temps de fumer ma clope tranquille. On va explorer gentiment. Pourquoi la musique, ça a tendance à se couper comme ça, là, c'est horrible. Alors qu'on voit notre vaisseau là-bas. Putain, c'est quoi ça? La taille du bordel là-bas, je sais pas ce que c'est, mais... Ah, oh, c'est tellement pratique. Oh, c'est tellement pratique ça. J'avoue. Je vois personne. Laboratoire Biochem abandonné. Quelque chose me dit que Ika, tu vas t'attirer des problèmes. Tu vas encore t'attirer des ennuis. On va voir, ça coûte rien d'aller voir, hein. Ouh là là. Ouh là 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 là. Dans quoi je vais encore m'embarquer là? Attends, c'est un mec ça ou quoi? Non, c'est une chaise. Ok, c'est une chaise, Ika. Calme-toi, calme-toi. Ce n'est qu'une chaise. Ok, des poubelles. Danger, c'est écrit en gros. Donc Ika fait pas de la merde. Il disait un mètre ruban. Qu'est-ce que j'en ai à carrer? C'est quoi ça? On peut interagir avec? Non. Sinon. Une petite caisse ouverte, on va aller voir. On se méfie toujours, hein. Il y a souvent des... Il peut y avoir des pièges aussi, hein. Souvenez-vous, hein, les mines et tout le tralala. Quoi si ça? Ok, c'est juste des bouts de papier. Déverrouiller. Ah, nécessite un ordinateur. Il va d'ordinateur, moi. Il va d'ordinateur, moi. D'accord, notre vaisseau est là-bas. Alors, on va faire un truc. Ok. Ça, le labo, on l'a fait. Ça, on ne peut pas y aller parce qu'il faut un ordinateur. Et on n'a pas d'ordinateur. On est pauvre.
C'est quoi ça? Ah, je marche sur un truc toxique. Je suis vraiment une biquette, hein. Allez, you! J'ai des ailes, j'ai des ailes, j'ai des ailes. Le premier qui me dit Ika, t'es une feignasse depuis que tu as ton jetpack, je dirais c'est complètement vrai. Je dirais que c'est complètement vrai. Alors par contre là, il y a un truc là, je sais pas ce que c'est. Mais quand on met le scan dessus, il nous montre quelque chose. Inconnu, c'est quoi? C'est une navette qui s'est crashée ou... Je sais pas trop à quoi ça ressemble en fait. On va voir, hein. De toute façon, on va juste jeter un petit coup d'œil. C'est pas méchant. Je pense que ça doit être genre un truc, un gisement. Et moi, c'est le gros truc là-bas, là. Je me demande ce que c'est. On dirait une station orbitale ou... Enfin, j'imagine. Par contre, ce que je trouve un tantinet dommage quand même, c'est qu'il n'y a pas énormément de faune. Je trouve que c'est un peu dommage quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est vrai que le peu d'exploration qu'on avait fait. Ok, du nickel, H2O, nickel, du T. Et c'est vrai qu'on était tombé juste une fois sur une créature entre guillemets qui nous avait quand même posé pas mal de soucis, mine de rien. Je me souviens, on en avait chié. Là, on a du nickel. Et de la platine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? On a une grotte. Putain, le gisement de nickel est énorme. Là, c'est. Voilà. Tout ce que j'espère, c'est que on va pas avoir de problème là-dedans. Grotte, lieu découvert, ok. Hop, on met la lumière. Allez, on va regarder. Ouais, c'est des trucs où tu récupères des gisements. Oh putain, vaut mieux pas se casser la gueule. Il y a même de l'apesanteur dans la grotte. Du tungstène. D'accord. Ok. Un tas de cailloux, super. La platine. Et sinon, il y a quoi d'autre? Ouais, c'est juste des petites grottes en fait où on peut récupérer quelques conneries quoi. C'est quand vraiment tu veux forer ou récupérer. Ah! Ou tu veux récupérer des. Comment ça s'appelle? Des matières premières, quoi. Youpi! Youpi! Allez, on se casse de là. Hein. Allez, hop. Donc notre vaisseau est là-bas. Hein.
Ça m'inspire pas confiance ce truc en face là, je sais pas pourquoi. Bah. Ah, il y a un autre truc encore là-bas. Là. Oh là là. Bon, on va aller juste voir par curiosité là-bas. On n'est pas très très loin. Au pire, on fera une sauvegarde sur place. On va pas se mentir, c'est quand même relativement pratique ce jetpack, hein. On dit un grand merci à notre Outsiders qui nous a rappelé que, il fallait juste regarder dans les compétences et qu'on avait un point à attribuer. Heureusement. Heureusement, mes petits chatons. On dirait un truc, on dirait une structure. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des canons dessus. Ouais, beaucoup de nickel, beaucoup de platine sur cette planète. C'est bien parce que bah, au fur et à mesure, on découvre des endroits avec des gisements de plus en plus importants. Donc ça veut dire que quand on va vouloir récupérer des matières premières, bah pour l'instant, on aura fait en sorte de découvrir où sont les gisements et si ce sont des gisements importants ou pas. Rappelez-vous, l'une des premières planètes qu'on avait explorées, bon, concrètement, niveau ressources, c'était pas dingue, hein. Il y avait 3-4 cailloux qui se battaient en duel. Et encore, quand je dis ça, c'est pour être gentil. Ah, qu'est-ce qu'il me fait le jeu? Allez, dépêche-toi. Ok. Non, mais clairement, on dirait un canon. Je me demande si c'est pas une tour de défense ou un truc comme ça. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, je vois, il y a un truc là-haut qui clignote. On va s'en approcher doucement quand même, hein. On va y aller chill, hein. On va juste s'approcher un petit peu. Allez, hop. Ah bah voilà, qu'est-ce que je disais? Une tour de recherche abandonnée. Ça a l'air d'être grand quand même. Waouh, la taille du bordel. Dans quoi je m'aventure encore, Ika? Qu'est-ce que tu fais? Regarde l'heure qu'il est, enfin. Sois un peu sérieux, quoi. Putain, on aurait pu atterrir ici, quoi. Mais là, on va tellement être lourd. C'est ouvert au moins? Bah évidemment que non. Hein? C'est de ta faute, ça encore. Wap! Ouais, il voulait vraiment pas qu'on foute les pieds dessus, hein. Ce qui serait bien, c'est que je puisse faire venir mon vaisseau ici, ce serait extraordinaire. Est-ce que ce serait possible ça? Ben non, évidemment que non. C'est dommage. C'est fromage. Bon, ça veut dire que vu qu'il est découvert, on pourra se poser dessus, quoi. Mais par contre, la question c'est comment entrer dans un truc. Non, sans déconner. T'es un génie, toi. Ah, ça a l'air ultra moderne, mais bon, en attendant.
Pour rentrer, tu peux te gratter, André. Hein. Tu peux te gratter, André. À moins qu'il y ait un passage. Ouais, ça m'étonnerait qu'on puisse aller aussi haut. J'ai peut-être dit de la merde. Quoi? J'ai entendu quelqu'un parler? Non. Si, j'ai entendu quelqu'un parler. Je suis pas dingue. Ailleurs. Croyez qu'on peut gruger? Je sais pas. Oh là. Oh là, nous dit Eden. Oh là. Hop, merci. Croyez qu'on peut gruger? On essaye? Allez. Hein? Quoi? Ouais, j'ai bien entendu des gens causer. Je suis pas taré. What? Tu vas me dire que l'autre trou du cul, il a trouvé l'entrée et moi non? C'est-à-dire qu'il est à l'entrée principale et que les portes sont ouvertes? Sérieusement? Si c'est ça, c'est du génie, hein. Attendez, je suis complètement taré ou... Il est où ce guignol? Il est où le rhododendron là? Ça n'a aucun sens. Enfin voyons. Mais t'étais où toi? Je vois personne, moi. Alors là, c'est un mystère. Là, c'est The Mystère Mystérieux.
Alors, comment monter là-haut? Bonne question. Comment t'as fait pour énerver les gens qui sont à l'intérieur, toi? Qu'est-ce que t'as foutu? Je vous ferai remarquer quand même que monsieur n'a pas de combinaison et qu'il est en extérieur sur un truc lunaire, quoi. Elle est quand même pas mal celle-là. Allez, on se tire. On se tire. Moi, j'ai même envie de dire qu'on va se mettre dans notre vaisseau, on va faire une petite sauvegarde et on s'arrêtera là. On s'arrêtera là pour ce soir. C'est une mission qui a duré beaucoup trop longtemps à mon goût. Allez, zou. Et l'autre, il est où en plume là? Ah, mais il est là-bas, notre petit cow-boy de l'espace là. Il y a des leu. Hein. Normal. Le mec n'a pas besoin de scaphandre. C'est un génie. C'est un génie. Vraiment, je suis impressionné. Allez, on va marcher un petit peu, le temps de récupérer et hop. On retourne au vaisseau et on décolle vers le dodo. Hop là. Allez, on va remettre là. Mais pourquoi tu tousses? Enfin, pourquoi tu tousses? Alors, statut. Voyons voir. Vous souffrez d'une affliction, prenez le remède correspondant pour vous soigner. Ouvrez votre inventaire et cherchez dans la catégorie soins les objets dont les icônes correspondent à vos afflictions. D'accord. Dégâts respiratoires mauvais. Tout dégâts de deux sporadiques et événements de détection. Froid ambiant extrême. Hein, d'accord. D'accord. Alors, inventaire, soins, aiguillette de viande d'alien déshydraté, lol. Un améliorateur de performance basé sur les stéroïdes, bravo. Traitement antibiotique, allez hop, un petit traitement antibiotique, allez hop. On ne s'est pas cassé les pattes. D'accord, du bacon, super. Traitement bandage, non. Non. Non plus. Cocktail d'antibiotiques. Allez, tiens, hop, un petit cocktail d'antibiotiques. Ça fait toujours du bien. Ça fait plaisir. Renforcement, le courage et la tolérance à la douleur. Granola. Lol. Granola. Allez, parce que ça me faisait envie. Infanterie Alpha, une drogue qui stabilise la visée et augmente les dégâts de l'arme à feu. D'accord, super. Tu t'injectes un truc, c'est ton arme qui fait kit d'argent expérimental, comprenant un puissant anesthésiant générique. Kit de soins second standard. Allez, hop, tiens. On va lui injecter tout ce qu'on a sur nous. Café, du lait, une mochi. Ah, des mochis, ça me donne tellement envie d'en manger des mochis. Vous avez déjà mangé des mochis? C'est tellement bon les mochis. Ah, affliction. Voilà. Voilà, on est soigné. On s'est injecté tout ce qu'on avait dans notre bordel. Tous les trucs potentiellement qu'on pouvait s'injecter, on les a injectés. Allez. On sauvegardera dans notre vaisseau et en off, j'explorerai cette planète. Parce qu'apparemment, il y a 2-3 trucs à explorer vite fait. Ça n'a pas l'air ouf.
Et comme ça, la prochaine fois qu'on reprendra, on ira voir la petite dame là qui nous a donné notre mission. Et puis à ce moment-là, je pense hein, que ce qu'on fera, c'est que on reprendra peut-être une petite mission, mais peut-être un petit truc peut-être un petit peu plus chill. En même temps, on ne peut pas vraiment savoir, puisqu'il y a beaucoup de missions où on doit aller buter des gens. J'ai envie de te dire que pour une mission de ranger, c'est peut-être un peu radical. Si on commence à buter la moitié des gens qu'il y a sur la planète. Ah, t'as encore de l'atout, mais t'es relou, toi. Ah oui, c'est qu'on est toujours malade. Je pensais que c'est bon, qu'on s'était soigné là, on avait pris ce qu'il fallait là. Ma pauvre petite rouquine. Ma pauvre petite rouquine. On va peut-être éviter de la replonger dans un truc. Hein, voilà, j'ai marché sur un truc comme ça là, comme il y a à gauche là. Donc c'était peut-être pas forcément une super super idée. Alors je vais remettre vite fait la petite caméra. Pronostic amélioré, dégâts respiratoires. Bah, comment ça, pronostic amélioré, dégâts respiratoires? Tu te fous de la gueule du monde, toi? Si c'est un pronostic amélioré, c'est qu'on va mieux. Enfin, voyons quoi. Un peu de logique. Qu'est-ce que vous en pensez, non? Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Non? Non? Ouais, je croyais, non. Alors. En rationnant des réflexes. On s'en fout. Ben voilà. C'est pour soigner l'affection, c'est bon. Voilà. T'es soignée, madame. Allez. On retourne dans notre coucou là. Le coucou cachou. Allez. On y est presque. Et hop. Bon, on va éviter quand même de se remettre la gueule dedans. Hein, ce serait quand même dommage. Ouh là 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 là, j'ai bien failli faire la connerie. Elle est où ma petite mamie? Oh, elle doit faire dodo sur le lit de son papa. Mademoiselle, elle s'offre le luxe en ce moment de s'étaler tel un gros pâté sur mon lit. J'arrive le soir, elle est étalée de tout son long sur le lit. Je parle de mon chat, hein, calmez-vous. Ah, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas. Hein, voilà. Elle est étalée de tout son long, telle une princesse, telle une diva. Que puis-je faire pour vous, capitaine? Me soigner peut-être, je sais pas, non? Allez, hop. Va falloir que je renomme ce vaisseau. Son nom est juste dégueulasse. Et je garde en tête, hein, on gardera un de nos petits vaisseaux. Alors. Hop. Hop, 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 inventaire. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Hein? Oh, elle est stylée celle-là. Dommage que ce soit de la merde. Ok. Tenue. Waouh. Sympa avec le petit poncho là. Oh, mais elle est dégueulasse cette tenue. Oh, allez, on t'habille en Sigourney Weaver. Hop là. Bon, eh ben on va,
Eh oh, dis donc, quoi. Non, mais ça va pas, non? Allez. Hop. On va se mettre au poste de pilotage. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, eh bien, je vais vous remercier d'avoir regardé ce live de la déchéance. On a tourné en rond, littéralement comme un débile, sur cette petite planète où il n'y a pas grand-chose, en fait. Tout ça pour aller buter un mec pour remplir une mission afin de T'es pas devenir. en train d'embêter notre capitaine, hein, Cora? L'embêter? J'embête personne, moi. Ah, laisse tomber, j'ai rien dit. Si vous pouviez. T'es gentil avec l'équipage? Bien sûr. C'est quoi cette histoire de fonds de collecte de livres? Écoute pas les rumeurs. C'est toi qui dis toujours ça. Ça y est, c'est bon, je peux en placer une là. Vous avez fini là, les deux là? Cette phrase de cette gamine était particulièrement étrange. Tu es gentil avec l'équipage? Oui, je suis gentil avec l'équipage. Non mais oh, allô quoi, calmez-vous s'il vous plaît. Bref, on remercie évidemment la modération en la personne de Nat Galanterie oblige, notre bon Max Blade, notre bon Mustérian qui est passé nous faire un rapide petit coucou. Et évidemment, toutes les personnes qui passent, les habitués. On avait Eden, on avait Outsiders, on avait Sean et on a également Tara qui est venue faire un petit coucou. Nous avions aussi notre ami Famso qui est venu faire un petit coucou et Akasha. On leur fait des gros bisous. Merci à ceux qui regarderont cette rediffusion. N'hésitez pas à mettre votre petit like, votre petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça aide au référencement de cette petite chaîne. Et évidemment, le plus important, c'est le Game Stream Heroes du 27 au 30 octobre en direct sur Twitch et sur YouTube. Un événement gaming marathon de 73 heures au profit de l'association Petit Prince. Réaliser les rêves des enfants grâce à vos dons. Eh bien, écoutez, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez devenir l'héros de ces enfants. On se retrouve très prochainement pour un nouveau live. Jeudi, si tout va bien, avec la team, si elle est dispo, sinon on partira sur un petit jeu random, vraiment. Et à ce moment-là, on se retrouve comme d'habitude le samedi pour le fil rouge, 21h30, comme d'habitude. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de votre présence, comme d'habitude. Et n'oubliez pas, c'est que du jeu, amusez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un nouveau live. Ciao et bonne nuit, c'était Ika.